Pity for pity's sake. Some nights kept me awake. I thought that I was stronger. When are you gonna realize that you don't even have to try? Something's ablazing about the place. Even your emotions have an echo in so much space. And when you are out there without care, yeah, I was out of touch. But it wasn't because I didn't know enough. Just knew too much. Does that make me crazy?
Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue au Palais des Congrès de la ville de Saint-Raphaël pour la Cité des Débats, cette seconde journée de la Cité des Débats, l'événement de la revue politique et parlementaire. Mesdames, Messieurs, je vous remercie de bien vouloir prendre place. Mesdames, Messieurs, pour la première table ronde de la journée, quelle nouvelle souveraineté pour quelle nouvelle liberté? Je vous demande d'accueillir Monsieur Gianmarco Monselato, président de Deloitte France et Afrique francophone, Monsieur Pierre-André de Chalandard, président du conseil d'administration de Saint-Gobain, Patrick Martin, président délégué du MEDEF, et Jean-Paul Mazoyer, directeur général adjoint en charge du pôle technologie et digital du groupe Crédit Agricole. Bien. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci d'être présents donc à cette deuxième journée de la Cité des Débats. Et doublement merci, car vous vous êtes levés et vous nous avez rejoints pour un sujet aussi énigmatique que prospectif, relatif à la souveraineté, puisque la question posée est quelle nouvelle souveraineté pour quelle nouvelle liberté. Donc, il faudra tout le talent des éminents conférenciers qui sont présents pour tenir le pari. Donc, Monsieur Gianmarco Monselato, président de Loi de France et Afrique francophone, Monsieur Pierre-André de Chalandard, qui est président directeur général de Saint-Gobain. Pardon. Président. D'accord. Président. D'accord. Jean-Paul Moisellier, Monsieur Jean-Paul Moisellier, qui est directeur général adjoint du Crédit Agricole. Voilà. Et Monsieur Patrick Martin, qui est président délégué du MEDEF. Voilà. Donc, sur le format, nous allons pouvoir écouter les intervenants pendant 6 minutes chacun, suite à quoi nous aurons des échanges. Alors, le public est souverain, donc n'hésitez pas à intervenir lorsque de besoin. Nous aurons également des questions, un débat ici sur le plateau. Voilà un peu le format tel qu'il se présente. Alors, juste avant d'écouter les intervenants, peut-être que quelques remarques sur le sujet. Quelle nouvelle souveraineté et quelle nouvelle liberté. Bon, juste une petite remarque sur l'ambiguïté du terme de souveraineté, car il prend souvent une connotation très absolue. Hein, un pouvoir souverain, c'est un pouvoir qui ne se reconnaît pas de supérieur. Il a une charge marquée par la transcendance, et donc un pouvoir qui s'affirme souverain, parfois, est souverainiste. Donc il n'a pas pour volonté de coopérer, dans tous les cas, d'être immergé dans des interdépendances, et cela est source de bien des malentendus, évidemment, puisque la réalité d'un pouvoir qui maîtrise un certain nombre de ressources, n'est pas absolue, elle est toute relative, elle est moins juridique que politique, et donc on parle de plus en plus, et l'Union européenne se réfère à ceci, d'autonomie stratégique, puisque c'est désormais la doctrine de l'Union européenne. Donc l'autonomie s'envisage par rapport à l'hétéronomie. Nous sommes dans des interdépendances, et à partir de ce moment-là, ce qui va compter, ce sont les rapports de force, mais aussi la coopération. Donc c'est une conception plus relative de la souveraineté qui est pertinente, qui est efficace, surtout lorsque les échanges s'affirment à une échelle plus globale, qu'ils sont financiarisés, qu'ils sont numérisés, et
cette nécessité de la coopération, de l'acceptation de l'interdépendance est encore plus grande lorsque des crises marquées par l'inconnu se présentent à nous et parfois de façon brutale. On aura l'occasion de parler de la crise énergétique, de la crise écologique évidemment. Et nous voyons bien également ce qui se produit lorsque une conception nationaliste de la souveraineté peut produire des guerres aux portes de l'Union européenne. Voilà, donc je voulais faire ces quelques remarques préliminaires et je vais tout de suite céder la parole à monsieur Gianmarco Monselato pour la première intervention. Très bien, merci, bonjour à toutes et à tous. Alors, nouvelle souveraineté, le mot nouveau est intéressant parce que c'est vrai que c'est un sujet qui revient sur le devant de la scène après avoir longtemps été considéré comme obsolète. Un exemple à côté de nous, aux Olympiques, que je connais bien, l'Italie. Pour la première fois dans l'histoire politique de ce pays, la campagne politique s'est faite autour de la notion de souveraineté, ce qui n'est pas du tout un sujet d'habitude en Italie. Alors pourquoi ? Sans doute parce qu'on associe naturellement la souveraineté à l'État et que ces dernières années, l'État est redevenu sur le devant de la scène. Le Covid d'abord, où il y a eu une attente forte que l'État gère la santé, soutienne l'économie. L'attente a été remplie, mais en même temps, on a bien vu la frustration des citoyens quand il fallait produire le carnet de santé pour sortir, les contrôles administratifs. Donc ça renvoie aussi, souveraineté et liberté, un équilibre qui peut paraître instable. Et ce retour de l'État sur le devant de la scène, amplifié par l'invasion de l'Ukraine et le retour du tragique dans l'histoire européenne, fait qu'on s'interroge sur quelle souveraineté aujourd'hui, qu'est-ce qu'on attend comme souveraineté et quelles conséquences sur la liberté. Et en France, c'est particulièrement important parce que, effectivement, l'État français s'est toujours défini dans une notion de souveraineté à tel point que, franchement, on l'utilise un peu à toutes les sauces et ça camoufle d'autres sujets. Alors, je vais prendre un exemple très léger, mais qui n'est pas complètement innocent. Il montre à quel point la souveraineté peut être une notion dévoyée. J'ai appris cet été, je ne le savais pas, qu'un des piliers de la gastronomie française, la moutarde, était dépendante du Canada. Vous voyez, des graines brunes au Canada qui sont absolument fondamentales pour ce qu'on y mange, j'ignorais complètement. Et du coup, j'ai suivi l'actualité cet été, on parlait de la souveraineté alimentaire française, dépendante du Canada. Donc j'espère qu'on ne va pas envier le Canada pour garantir notre souveraineté culinaire. Mais on voit bien deux choses, c'est qu'on est quand même interdépendant, même pour la moutarde. On a besoin des autres, et qu'on peut se décréter souvent, ce n'est pas pour autant qu'on arrive à être libre et à pouvoir faire quelque chose. Et plus sérieusement, je me rendais compte ce matin qu'en fait, on est 30 ans après le débat de Maastricht. Si vous vous souvenez, pour les plus âgés, entre le président Mitterrand et Philippe Séguin, débat qui portait sur la souveraineté de la France vis-à-vis de l'Europe. Et je constate que 30 ans après, on n'a pas tellement avancé en fait, dans la réflexion. On est toujours un peu sur les mêmes sujets, parce que si on prend les sujets plus sérieux que la moutarde, le militaire, sujet qui n'existait pas il y a 30 ans, les GAFA, la souveraineté numérique, sujet qui n'existait pas il y a 30 ans, la sécurité en Europe avec la Russie et l'Ukraine, on se pose des questions, effectivement, quelle souveraineté, de quoi on parle, et est-ce qu'on en a les moyens? Et là-dessus, il faut être pragmatique et faire un examen de conscience, parce que si on prend la France, mais aussi l'Europe, on confond souvent souveraineté et créativité réglementaire. Ou plan. La France, la souveraineté, c'est le plan. Donc avec l'Europe, on les a convaincus qu'il fallait réguler les GAFA et on a voulu faire un GAFA français avec le cloud souverain. Ça n'a pas fonctionné. Donc la volonté du plan ne marche pas toujours. Mais on a convaincu l'Europe de se positionner comme arbitre, non pas d'agir, parce qu'on n'a pas de champion du numérique européen, ça n'existe pas. Donc de vouloir réguler ce marché, c'est réguler les usages. Et c'est vrai que l'Europe est un arbitre aujourd'hui en Europe. Le seul problème, c'est que l'arbitre, il ne gagne jamais le match et que vous n'êtes ni souverain ni libre quand vous ne jouez pas. Et qu'on ne pourra pas créer une souveraineté pour une liberté si on ne part pas dans un esprit de conquête, ce qui suppose de faire un examen de conscience, si on prend la France, de partir de la réalité pragmatique. Hein. On a une dette publique de 98% du PIB, dont environ la moitié est détenue par des non-résidents. On a un déficit commercial, record de 1300 milliards d'euros. Oubliez les chiffres, ça veut dire qu'on dépend beaucoup plus des autres qu'ils ne dépendent de nous. Ce qui pose la question dans ce contexte-là, de quelle souveraineté on peut espérer construire. Et là-dessus, pour ma part, j'ai trois convictions. C'est que la première,
c'est que la souveraineté ne peut se concevoir qu'en coopération. Là, je vais m'inspirer des travaux de Robert Axelrod, qui est professeur de sciences politiques à l'Université du Michigan, qui a développé une théorie, je trouve, extrêmement pertinente sur la politique des États qui ne peuvent être souverains que s'ils coopèrent, mais pas de manière naïve. Il développe toute l'idée d'éthique de la réciprocité en disant « j'ai besoin de l'autre pour qu'il m'apporte des savoirs ou des capacités que je n'ai pas, et il doit avoir besoin de moi pour que je lui apporte des savoirs et des capacités qu'il n'a pas. » Ce n'est pas la naïveté. Il ne s'agit pas qu'un État baisse unilatéralement ses barrières douanières, par exemple, pendant que l'autre ne le fait pas, parce que dans ces cas-là, effectivement, ça aboutit à une prise de contrôle et à l'absence de souveraineté. Il s'agit de donnant-donnant, d'équilibre, de réciprocité. Et dans le monde aujourd'hui, qui est un monde de grands ensembles, États-Unis, Chine, demain Inde, la souveraineté peut se concevoir qu'en coopération d'abord au sein de l'Europe, coopération bilatérale, France-Allemagne. L'Allemagne est plus riche que nous, mais on a plus de souveraineté énergétique que l'Allemagne. Donc il y a quelque chose à construire d'intelligent entre les deux pays. Quand l'Espagne, par exemple, a découplé le prix de l'électricité espagnole du prix du gaz pour baisser le prix de l'électricité, ils ne l'ont pas fait tout seuls. Ils ont discuté avec la Commission européenne, expliquant que leur marché était quand même très spécifique, donc ils pouvaient se le permettre. La Commission les a soutenus, ça a permis de trouver une solution, mais en bonne intelligence avec ses voisins. Donc cette éthique de la coopération, cette nécessité de coopération, elle va fonder la souveraineté est essentielle. La seconde conviction, c'est que, c'est la conclusion du débat de Maastricht il y a 30 ans, c'est que la souveraineté, elle ne peut être qu'européenne, en réalité. Pour que la France ait une liberté, elle ne peut s'inscrire que dans la souveraineté européenne, ne fût-ce que pour une question de taille. On voit bien que les États-Unis, plutôt que de réglementer, ils ont investi 200 milliards pour la production de semi-conducteurs sur leur territoire, pour être souverain. Bon, l'Europe investit 40 milliards, on est quand même un peu loin du compte, même si en France, on aura une usine de semi-conducteurs en France, donc très bien. Mais on est loin du compte, mais on voit bien que déjà l'Europe a du mal à suivre la course, c'est pas la France toute seule qui a la moindre chance de compter dans ces équilibres de grande taille. Et au niveau européen, on peut avoir un débat. La souveraineté, les plans sur le développement énergétique, de l'hydrogène, on parle d'avions à hydrogène en 2050, c'est un petit peu tôt, mais on peut rêver. Pour qu'Airbus puisse le faire, ça ne peut fonctionner qu'avec une coopération européenne. D'ailleurs, Airbus n'existe que parce qu'il y a coopération européenne. Arianespace, on envoie des satellites dans l'espace qui sont clés pour notre souveraineté. Arianespace ne peut pas lancer de satellites sans AWS, Amazon Web Services. Mais là, on peut discuter d'égal à égal à Amazon quand on est à l'Union européenne. On est dans un rapport de souveraineté de deux acteurs puissants, parce que c'est bien ça le sujet de la souveraineté, qui peuvent collaborer, qui peuvent se construire ensemble, et Amazon ne peut pas se permettre de se fâcher avec l'Union européenne. Et l'Union européenne a besoin d'Amazon pour lancer ses satellites. Et la troisième conviction, et c'est un peu une contradiction par rapport à ce que je disais sur la créativité réglementaire, c'est que la souveraineté, en tout cas, elle aura besoin à un moment donné de la norme, surtout sur les sujets qui sont face à nous. On parle beaucoup de la souveraineté par rapport aux enjeux de changement climatique, aux enjeux de liberté que ça pose. Enfin, on ne va pas traiter les enjeux de changement climatique ou de changement de modèle social tout seul, de manière isolée, à l'albanaise, souverain mais impuissant. Ça va, j'ai rien contre l'Albanie, hein, mais c'est l'exemple de la théorie. On n'y arrivera pas. C'est-à-dire que si en France, on dit, ben voilà, moi je vais mettre 10 éoliennes dans un champ, c'est très très bien, mais je ne prends pas en compte l'empreinte négative que ça produit en Chine, je ne prends pas en compte l'impact sur la biodiversité, je ne rends pas service à mes voisins et je ne rends service à personne. Mais pour qu'on arrive à faire quelque chose d'intelligent ensemble, encore faut-il qu'on parle le même langage. Et c'est là que l'harmonisation des normes, plus que la création de normes, qu'on parle le même langage entre les différents pays, notamment sur la transition écologique, est absolument fondamentale. Sinon, chacun va faire son truc dans son coin, va s'isoler. Et à la fin, on se rendra compte que ça n'a servi à rien. Donc la norme pour permettre à tout le monde aux pays européens de parler la même langue, de faire des investissements comparables, de coopérer, parce qu'on ne peut pas coopérer si on ne parle pas la même langue, elle est fondamentale pour cette souveraineté et cette liberté. Et je conclurai sur le rôle de l'entreprise, parce que c'est forcément le sujet qui me tient le plus à cœur. L'entreprise, elle est naturellement dans ce débat, parce que l'entreprise, elle ne peut que coopérer. Vous coopérez avec vos clients, vous coopérez avec vos fournisseurs, avec vos équipes évidemment, votre écosystème, elle est nativement un système d'écosystème. Donc, et l'entreprise, on compte beaucoup sur elle, parce que réaliser une chose, c'est qu'aujourd'hui, dans les 10 premières institutions mondiales,
La majorité sont les entreprises. Seuls trois États ont un budget supérieur à la capitalisation boursière d'Apple. Les jeunes attendent plus des entreprises que des États. Donc l'entreprise dans un écosystème sur lequel la société se repose beaucoup pour créer cette liberté et cette souveraineté, l'acte d'entreprendre étant un acte de liberté, elle est au cœur de ce système. Et en mot de conclusion, je dirais que c'est le côté amusant, c'est que Deloitte se trouve être un laboratoire fascinant, cette théorie de la coopération dans la souveraineté. C'est que Deloitte France est un acteur souverain. J'ai aucun actionnaire étranger chez moi, c'est que mes opérateurs. Je suis un des seuls groupes français qui peut dire que je suis complètement souverain. Sauf que c'est vrai aussi de Deloitte Angleterre, Deloitte États-Unis, Deloitte Chine, on est tous souverains. Et pourtant, il faut qu'on coopère. Il faut qu'on ait les mêmes normes qualité, la même façon de travailler, on porte la même marque, les mêmes valeurs. Donc on coopère de manière libre avec des rapports de force. Quand on discute avec mon homologue américain, sa firme pèse 25 fois plus lourd que la mienne. Lui, c'est un poids lourd, moi, je suis un poids léger. Forcément, ça oriente le dialogue, inévitablement. Et ça permet de comprendre que la liberté, elle ne se donne pas, elle se conquiert, et que la souveraineté, elle ne se décrète pas dans un isolement magnifique, elle se construit dans la coopération. Je pense que c'est sur piste-là qu'on peut réfléchir pour les nouvelles souverainetés et les nouvelles libertés. Merci. Alors, je propose à M. Pierre-André Chalandard de poursuivre. Nous allons vous écouter. Bon, moi, j'ai beaucoup de choses très importantes qui viennent d'être dites par Gianmarco. Moi, je voudrais partir essentiellement de l'angle économique, j'allais dire, à partir de mon expérience, qui est une expérience industrielle. Et cette notion de souveraineté dans le domaine économique, c'est une notion à laquelle je n'ai pas été confronté jusqu'à il y a peu de temps, puisque... Vous avez dit, c'est un peu la maîtrise de son destin, donc la souveraineté, ça évoque les frontières. Alors, qu'est-ce qu'on a fait depuis 50 ans et surtout depuis 30 ans? On a supprimé les frontières. Et donc, la mondialisation, qui a eu beaucoup de... C'est l'explosion du commerce mondial, et ça s'est traduit, pour les industriels, par de plus en plus de spécialisation et un émiettement des chaînes de valeur. Et donc, avec l'idée que, de toute façon, tout ça allait, puisqu'on était dans un monde où tout se passait bien, et où on enlevait les frontières, tout ça allait bien fonctionner. Le premier avertissement, si je puis dire, pour en tout cas tel que je l'ai ressenti dans mon expérience, ça a été en fait l'histoire de Fukushima. Parce que c'est la première fois où on s'est rendu compte qu'il y avait, à cause de Fukushima, il y avait un certain nombre de fournisseurs qui étaient uniquement au Japon et qui nous ont bloqués dans plein de pays du monde. Et là, on s'est commencé à se poser des questions. Est-ce qu'on n'a pas été trop loin dans nos spécialisations industrielles, qui permettaient d'avoir un coût meilleur dans la concentration des achats. Alors évidemment, tout ça a été révélé de façon très très forte au moment de la pandémie. Hein, l'histoire des masques on est juste un petit exemple. Et c'est sûr que ça a été presque plus important, ça a précédé ou ça a accompagné la montée des tensions géopolitiques qui quand même changent beaucoup les choses. Donc on est dans un monde complètement différent, hein, à tel point que maintenant le ministre de l'économie s'appelle ministre de la souveraineté. Et donc tout ça a changé. Moi, si je regarde ce qui s'est passé depuis 3-4 ans avec cette pandémie, j'ai quatre enseignements rapides. Le premier, c'est que je pense le repli sur soi... Et ça a été dit déjà, mais le repli sur soi n'est pas la solution. Hein, pour un pays comme la France, on ne pourra jamais être indépendant sur le plan économique. On a peut-être un peu plus d'énergie que d'autres, mais même sur le plan énergétique, on n'est pas indépendant. Sur le plan des matières premières, on n'est absolument pas et on ne le sera jamais. Donc la tentation, j'allais dire, du protectionnisme et du repli sur soi... c'est totalement illusoire. Hein. Souveraineté, ça ne veut pas dire indépendance. C'est le premier enseignement. Le deuxième, c'est que... Alors, c'est peut-être un peu réducteur de la sécurité, de la souveraineté, mais moi, j'associe, pour vu de là où je suis, la souveraineté, quelque part, c'est d'avoir une sécurité des approvisionnements. Et là, il y a deux... Si je prends un industriel, il y a deux méthodes, mais je pense qu'elles sont... C'est utile pour la réflexion au niveau d'un pays. La première méthode, c'est de revenir un petit peu en arrière sur cette spécialisation et donc se diversifier, pas mettre tous ses œufs dans le même panier pour que quand il y a un problème quelque part, on ait plusieurs sources. Et la deuxième, c'est... alors moi, je crois plus au rapport de force qu'à la coopération, mais c'est le rapport de force. C'est d'être dans une situation qui fait que quand on a besoin de quelque chose... Le pays ou l'endroit où ça existe
et plus d'inconvénients à ne pas nous le donner qu'à nous le donner. Et donc c'est la construction du rapport de force qui a existé de tout temps et qui remonte très très fort depuis quelques années. Troisième enseignement, et là je suis complètement d'accord avec Jean-Marco, c'est que pour un pays comme la France, aujourd'hui, cette sécurité des approvisionnements, si je le résume ou je simplifie, peut-être c'est réducteur, mais la souveraineté économique a assuré une sécurité d'approvisionnement, ça ne peut passer que par l'Europe. Si je reprends, Jean-Marco a donné des exemples, je vais en prendre un autre que Thierry Breton raconte très très bien, c'est le sujet des vaccins. Bon, on a été peut-être un petit peu, on a perdu quelques mois par rapport à d'autres pays, mais s'il n'y avait pas eu l'Europe, on n'aurait pas eu de vaccins, on les aurait eu beaucoup plus tard. Parce que les Américains nous ont bloqués au départ, ne voulaient pas nous donner de vaccins. Puis on s'est rendu compte qu'ils avaient besoin pour fabriquer leur vaccin de certains composants qui étaient, d'ailleurs pas en France, mais dans certains pays d'Europe. Et il en fallait plusieurs. Et c'est, vous ne voulez pas nous donner le vaccin, on ne vous donne pas les composants. Donc c'est le rapport de force. Et ça, dans un monde où il y a quand même deux géants entre les États-Unis et la Chine, ça ne peut pas jouer si l'Europe n'exerce pas sa puissance. Donc on a besoin d'une Europe puissance. D'ailleurs, c'est Bruno Le Maire dit ça, notre ministre de la Souveraineté dit ça très bien. On a besoin de construire une Europe puissance. Et la solution, ce n'est pas la relocalisation, encore une fois. C'est la réindustrialisation pour se créer des rapports de force sur des sujets sur lesquels les autres auront besoin de nous. Et donc, du coup, ils nous donneront ce dont on a besoin. C'est pour ça que les sujets d'hydrogène, de batterie, il faut investir fortement sur les sujets d'avenir sur lesquels on va pouvoir créer des rapports de force pour nous. Ça, c'est le troisième point, c'est que ça passe par l'Europe. Et le quatrième point, Jean-Paul l'a dit anciennement, c'est que, l'a dit différemment, mais j'y reviens, c'est que pour que l'Europe soit une puissance, et il y a un paradoxe, parce que c'est la France qui a le plus dit ça, même si nos voisins sont en train d'y arriver, l'Europe puissance a besoin d'une France forte. Et qu'est-ce qui cloche aujourd'hui? C'est quand même un peu la France. Si on prend ce sujet, j'ai pris l'angle des échanges extérieurs à travers les frontières. L'Europe est très excédentaire sur le plan du commerce extérieur, enfin jusqu'à il y a quelques mois. Le seul pays qui a un vrai problème, c'est la France. Et c'est quand même un thermomètre intéressant. Donc, il faut que la France règle ses problèmes si on veut avoir une Europe forte. Donc il y a un paradoxe. Les Français ont raison de dire qu'il faut une Europe puissance. Les autres y viennent doucement. Mais on est quand même aussi à l'intérieur de ça le mauvais élève. Et l'Europe ne pourra pas être une Europe puissante. Et s'il n'y a pas une plus forte convergence à l'intérieur de l'Europe, ce qui veut dire qu'il faut s'occuper de nos problèmes. Et donc remettre l'accent sur l'industrie, remettre l'accent sur nos comptes qui sont très détériorés. Et donc l'Europe forte a besoin d'une Europe, d'une France qui règle ses problèmes. Ça, c'est le quatrième point. Voilà quelques enseignements. Alors, c'est très partiel par rapport à la question posée, mais un éclairage que je peux donner du point de vue d'un industriel. Merci à vous de cette contribution, alors qui place le regard sur l'enjeu industriel qui, comme vous l'avez dit, est très déterminant pour la suite et pour nous. Nous allons passer à un autre enjeu qui est tout aussi déterminant, c'est l'enjeu du numérique. Et nous allons donc écouter M. Jean-Paul Mazoyer. Merci beaucoup. Moi, je voudrais repartir d'une phrase de Gianmarco tout à l'heure, parce qu'il nous disait on dépend des autres beaucoup plus qu'ils ne dépendent de nous. Je voudrais juste lui faire remarquer qu'ils sont beaucoup plus nombreux. Et c'était sans doute une des raisons. La souveraineté est un sujet qui, jusqu'à il y a encore quelques années, était dévolu aux partis qui étaient loin du centre de gravité de notre démocratie. Et à l'aune de la crise sanitaire, on s'est aperçu combien ce thème devenait central dans nos approvisionnements, ça a été dit par Gianmarco et Pierre-André, et c'est devenu aujourd'hui une réalité. Mais non pas comme un élément de repli sur soi, qui a été évoqué, mais au contraire comme un élément de légitimité et de stratégie pour des blocs, pas forcément des pays. Je partage l'avis que cette souveraineté de la France ne peut s'exercer qu'à l'intérieur d'un cadre européen. Vous l'avez certainement entendu, le gouvernement a fait de la souveraineté l'une des quatre priorités de 2022 en disant que la France devait retrouver le chemin de sa souveraineté dans les domaines
énergétique, industriel, alimentaire, numérique et culturel. Alors le banquier que je suis considère qu'il y a une souveraineté également qui n'a pas été citée mais qui est très importante, c'est la souveraineté économique, et je pense que M. Martin en parlera également tout à l'heure, et la souveraineté financière. Vous l'avez omis de le dire, je suis également président du GIE carte bancaire, et s'il y a un domaine aussi sur lequel on a besoin de notre souveraineté, c'est celui des paiements, on pourra en parler aussi, au niveau français ou au niveau européen. Et il n'y a pas de système fort pour soutenir les entreprises sans un système financier puissant également. Et on voit bien le rôle de nos banques, qui font partie des très très grandes banques mondiales, pour soutenir ce développement économique. Petit passage un peu de pub. Le Crédit Agricole, c'est le premier employeur privé en France. C'est le premier financeur de l'économie française. Et puis, on a plaisir à le dire, c'est le premier contributeur fiscal et social en France. Pour tous les impôts que l'on paye en France, il faut savoir que 75% de notre activité est sur le territoire français. Donc, s'il y a un sujet sur lequel on est vraiment sur la souveraineté, le Crédit Agricole est évidemment concerné par ça. Vous me posiez la question sur le numérique. Il faut d'abord comprendre que la transformation digitale, numérique, de nos organisations, que ce soit l'État, les entreprises, c'est partout. Et il faut comprendre cette transformation numérique comme le fait de saisir les opportunités que nous offre la technologie pour transformer nos organisations et être plus efficaces. Hein, c'est ça, la transformation numérique. C'est vraiment cette partie-là. Or, on s'aperçoit que sur des éléments fondamentaux du numérique, on n'est pas dans une position de souveraineté. Le premier, ça a été cité par Gianmarco, c'est les microprocesseurs. Ce qui a révolutionné nos vies, ce sont les microprocesseurs. Moi, au début de ma vie, il n'y avait pas de microprocesseurs, ou quasiment pas. Aujourd'hui, il y en a partout. Le micro que je tiens est bourré de microprocesseurs, la caméra qui nous filme aussi, les écrans qui sont devant nous également. Il y en a absolument partout, et c'est véritablement quelque chose qui est majeur. En 1990, 60% de la production des microprocesseurs était en Europe. Aujourd'hui, c'est 10%. Et c'était, à l'époque, c'était 60% en Europe, 35% aux États-Unis, je crois. Aujourd'hui, il y a, entre la Chine, Taïwan et la Corée, c'est 80, je crois, 70 ou 80% de la fabrication. Et aux 200 milliards, effectivement, du plan américain pour retrouver de la souveraineté sur les microprocesseurs, l'Europe a répondu en disant 43 milliards à travers un Chips Act récemment. Il faut savoir que le seul TSMC qui est le fabricant taïwanais a décidé, lui, d'investir 100 milliards pour rénover ses usines de microprocesseurs. Donc on a un vrai sujet, ne serait-ce que sur ce sujet des microprocesseurs. Deuxième sujet, le cloud. Aujourd'hui, 90% du marché mondial du cloud, et on ne peut plus fonctionner dans n'importe quelle organisation sans cloud. Jean-Marc le disait également pour partie AWS et l'Europe spatiale. 90%, c'est trois acteurs américains. Donc si vous voulez utiliser le cloud, vous êtes finalement forcé d'utiliser l'un de ces trois acteurs américains, pas pour des raisons uniquement de prix, mais de service, de qualité, de sécurité, largement supérieure à ce que l'on peut trouver dans d'autres services. Je ne vous parle pas des télécommunications, où là récemment, l'Ukraine a décidé de basculer en l'espace de quelques jours l'ensemble de ses infrastructures informatiques d'abord dans le cloud américain et ensuite sur des communications SpaceX, de manière le réseau Starlink, de manière à ne pas avoir de problème, et ça a plutôt bien fonctionné. Donc on voit que ces deux sujets, ne serait-ce que des microprocesseurs et cloud, nous amènent dans une situation où on n'a pas notre souveraineté par rapport au numérique. On pourra revenir sur tous ces sujets, évidemment, en question-réponse. Alors l'Europe s'engage dans une voie aujourd'hui qui consiste à retrouver progressivement sa souveraineté sur ces sujets. Je crois qu'il y a effectivement une analyse importante à faire sur la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui et sur la capacité à le faire. Les rapports de force qu'évoquait Pierre-André, je partage évidemment ça. Le principal actif dans ce rapport de force aujourd'hui pour les Européens, c'est son marché. Et la capacité de dire j'ai 300 millions d'acheteurs potentiels de vos produits, ce qui est assez faible dans le rapport de force finalement, mais qui est néanmoins compte. Un certain nombre d'actes, par la norme, on essaye de retrouver cette souveraineté.
On a sur le numérique lancé un certain nombre de sujets, le RGPD, ce qu'a fait Thierry Breton depuis qu'il est à l'Europe. Donc on a un certain nombre de sujets qui nous permettent petit à petit de dire on veut retrouver notre souveraineté. Mais le RGPD est par exemple totalement orthogonal avec les lois américaines. Une entreprise qui utilise un cloud américain est en contradiction avec le RGPD. Donc on se retrouve dans des situations qui sont assez étonnantes. Voilà un certain nombre de sujets qui sont intéressants. Et puis pour en revenir sur l'actualité à travers des décisions... J'en cite une en écho avec l'Europe spatiale. La Banque centrale européenne vient de décider d'attribuer pour la création de l'euro digital, qui est quand même l'élément central de notre souveraineté, c'est quand même la monnaie. Et là, on va créer un euro digital. Pareil, on pourra évoquer tous ces sujets-là. La Banque centrale européenne vient de choisir cinq organisations, dont une, c'est Amazon. Donc même sur ces sujets qui sont éminemment centraux dans notre souveraineté, on a du mal de temps en temps entre les convictions et les actes qui sont pris. Ça fait partie des débats qu'on pourra ouvrir. Merci. Merci, monsieur Mazoyer. Monsieur Martin, il vous revient presque de conclure. Certainement pas. Donc, bonjour à toutes et à tous. C'est toujours très compliqué de passer le dernier parce qu'en définitive, tout a été dit et je partage absolument ce que les uns et les autres ont pu exprimer. Je voudrais commencer par vous rapporter une anecdote. Dès début 2019, avec Geoffroy Roux-de-Bézieux au MEDEF, nous avons installé un comité souveraineté et sécurité économique. On parle de 2019, on ne parle pas de 1919. Il y a simplement 3 ans. Et ça a suscité des commentaires un peu interrogatifs, voire un peu sarcastiques, selon lesquels le MEDEF se repliait sur lui-même, devenait souverainiste, avec une connotation politique que vous avez évoquée. Notre propos n'était absolument pas celui-là. Notre propos était de dire qu'il faut qu'on se départisse d'une forme de naïveté, ou je dirais presque une forme de paresse intellectuelle, qui voulait que nous considérions tous comme acquis une mondialisation heureuse, dont chacun serait bénéficiaire. Les faits nous ont malheureusement donné raison avec ce qu'évoquait bien sûr Pierre-André de Chalendar, l'affaire des masques, plus globalement ce que la pandémie nous a fait éclater à la figure quant à notre dépendance, et puis ce qui se passe dorénavant de tragique autour de l'Ukraine vient conforter cette analyse. Le propos n'est pas du tout de dire qu'il faut que nous nous replions sur nous-mêmes. Il est évidemment de dire au contraire que l'Europe doit être la maille sur laquelle nous devons nous appuyer. Alors je ne vais pas vous exprimer les 7 piliers de la sagesse, ça a déjà été fait et j'en serai incapable, mais vous dire ce qui, selon moi, selon nous, correspond aux 6 piliers de ce que doit être une souveraineté libre. Alors il y a un premier enjeu qui a été évoqué, hein, pardon d'être un peu répétitif, qui est celui de l'énergie et des matières premières. Alors on le vit cruellement, l'industrie singulièrement le vit cruellement en Europe, j'insiste là-dessus, à l'heure actuelle, quand on appelle de nos voeux, et il le faut impérativement, la réindustrialisation de l'Europe, mais singulièrement de la France, mais que les industriels américains achètent ce jour-ci leur gaz 6 fois moins cher que les industriels européens, il ne faut pas se raconter d'histoire. On a un risque majeur de surcroît de désindustrialisation de notre pays. Quand on se livre à des débats qui sont fondés, mais qu'il faut appréhender avec beaucoup plus de rationalité sur nos approvisionnements en matières premières, quand finalement, tardivement, simplement fin 2021, le gouvernement confie d'ailleurs à 2 chefs d'entreprise, Philippe Varin, un rapport sur notre dépendance et notre indépendance en matière de métaux rares, et un autre chef d'entreprise, Philippe Darmaillan, un rapport sur notre indépendance énergétique, ça traduit quand même l'impréparation ou l'inconscience d'un certain nombre d'acteurs, y compris publics, dans notre pays. Mais on doit gérer nos contradictions, ici comme ailleurs. Je vous cite quelques exemples. On a en France un des gisements de tungstène les plus riches du monde. Il est dans l'Ariège, dans une localité qui s'appelle Salaud. Cette mine a été exploitée, elle a été arrêtée. On sait tous qu'on a besoin notamment de tungstène. Eh bien, cette mine, très probablement, ne rouvrira pas parce que,
à tort ou à raison, un certain nombre d'associations, notamment environnementalistes, s'opposent à la réouverture de cette mine. Tout le monde étant conscient qu'on a absolument besoin de tungstène. Je vous cite juste un autre exemple, qui est assez polémique, j'en suis conscient, qui est celui de la mine d'or de la Montagne d'Or en Guyane. On a tous en tête que l'or est également un matériau industriel, ça n'est pas que pour l'orfèvrerie. Eh bien, ce projet qui, sur le plan environnemental, est parfaitement maîtrisé, au même moment où des orpailleurs balancent des produits toxiques à longueur de journée dans la jungle guyanaise, eh bien, ce projet n'aboutira probablement pas. Donc il faut à un moment ou un autre qu'on pose rationnellement ce sujet de l'énergie, ce sujet de notre indépendance, en tout cas de notre autonomie en matière de matériaux critiques. Le deuxième enjeu, ou le deuxième pilier, c'est celui de la monnaie et de la finance. Ça a été dit, je me permets juste de préciser un chiffre. La dette publique française, évidemment, est détenue à plus de 50% par des créanciers étrangers, mais parmi ces créanciers étrangers, majoritairement des créanciers non européens. 41% de la dette publique française est détenue par des créanciers non européens, ni français, ni européens. L'état de nos finances publiques est évidemment un facteur de dépendance. Il y a une urgence dorénavant à rétablir ces finances publiques de manière progressive, sensée, concertée, mais avec beaucoup de détermination. Quand on voit ce qui se met en place sur le plan de la régulation assurantielle et bancaire, je parle sous votre contrôle, ce qu'on appelle abusivement, je crois, Bâle 4, hein, qui est finalement une excroissance de Bâle 3, ça signifie, si je ne me trompe pas, 200 à 250 milliards de fonds propres supplémentaires qui vont être demandés aux banques. Ça va restreindre... Européenne. Alors c'est là que je voulais en venir, effectivement. Ça signifie immanquablement une restriction du crédit. Et les choses n'étant jamais innocentes, les Américains, dont on sait tous le modèle de financement est différent, probablement seront bénéficiaires de cette nouvelle régulation. Jusqu'où ne pas aller trop loin en matière de régulation, en l'occurrence de régulation bancaire. Le troisième pilier, en quelque sorte, qui n'a pas été évoqué, c'est le pilier militaire, qui a deux dimensions. Il a une dimension évidemment géostratégique, mais il a également une dimension industrielle. On se porte bien en France d'avoir conservé des industries militaires, je pense singulièrement à l'aéronautique avec Dassault, avec Airbus, mais il n'a échappé à personne là non plus que les Allemands viennent de décider d'investir 100 milliards d'euros dans leur défense. Si on veut exister sur la scène internationale et protéger nos intérêts économiques, parce que c'est bien ça dont on parle ici, il faut également qu'on sache faire valoir notre puissance militaire. Et donc, c'est évidemment assez, comment dire, complexe, hein, de dire dans le même temps, il faut maîtriser nos finances publiques, mais il faut investir, et probablement sensiblement plus investir, dans notre outil de défense, et notamment dans la recherche et dans les matériels militaires. Mais ayons quand même en tête cette dimension militaire. La dimension numérique, elle a été évoquée, elle est évidemment déterminante. Il faut qu'on avance beaucoup plus vite. Le projet Gaïa-X à l'échelle européenne est certainement un projet intéressant, mais comme en toute chose au niveau européen, les règles de fonctionnement font qu'il y a une certaine inertie, une certaine lenteur en tout cas dans les processus de décision. Ce qui a été fait avec le DSA, avec le DMA, va dans le bon sens. Mais il faut aussi, vous l'avez évoqué, que ce soit compatible autant que possible avec ce qui existe sur d'autres continents. Évidemment, ce sont les Américains qui, là aussi, ont le leadership. À un moment donné, s'il n'y a pas de compatibilité, s'il n'y a pas de consensus entre les deux continents, eh bien, il faut affirmer, en réalité, la puissance européenne. Je parle beaucoup de puissance. Puis André Chalandard a parlé de rapport de force, c'est sans doute une expression plus acceptable. Mais je pense qu'il faut que nous réassumions cette notion de puissance, non pas dans une perspective belliqueuse, agressive, mais parce que la réalité est là, on est dans des rapports de force, on est dans des rapports de puissance entre les grandes plaques, bien sûr géopolitiques, mais également économiques. Donc à un moment donné, il faut, en matière financière, monétaire, en matière technologique, que l'Europe, se coordonnant mieux, avançant plus vite, fasse valoir ce qu'elle est, parce que l'Europe reste quand même l'acteur économique le plus puissant du monde, même si les choses se rééquilibrent, malheureusement, en un sens. Et puis je finirai en parlant, et ça va peut-être vous surprendre, d'une dimension qui, à mes yeux, est la plus importante, qui est la dimension culturelle.
Je cite là aussi une anecdote. Je pense qu'il a été assez malencontreux, il y a bien longtemps déjà, que le président de la République à l'époque, Valéry Giscard d'Estaing, c'est vous dire si ça date, dise que la France était devenue une puissance moyenne et que nous ne représentions plus à l'époque que 1% de la population mondiale. C'est objectivement vrai, c'était objectivement vrai, mais ça envoyait un message un peu défaitiste, un peu résigné, je dirais, à nos concitoyens, dont je fais partie d'ailleurs. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a, en France singulièrement, on a cet état d'esprit qui est assez malencontreux et qui nous prédispose mal à ce rebond, à ce ressaisissement auquel on doit absolument procéder. C'est-à-dire qu'il y a à la fois une forme de résignation et puis une forme de nostalgie. Il faut que dans les têtes de nos concitoyens, y compris quand on parle d'industrie, y compris quand on parle d'énergie, il y ait cette prise de conscience et qu'on s'embarque tous, qu'on embarque en tout cas nos concitoyens autour de cette perspective de ressaisissement, de rapport de force, de puissance, j'insiste à nouveau, hein, pas du tout dans une logique belliqueuse. On a des atouts assez extraordinaires. Le MEDEF, l'année dernière, a lancé une initiative autour de la francophonie économique. C'est spectaculaire de voir comme le Commonwealth prospère. Alors, on verra ce que le décès d'Elisabeth II va provoquer de ce point de vue, mais ce n'est pas le propos du jour. La francophonie économique, c'est 400 millions d'habitants, c'est 14% du PIB mondial. Eh bien, la France ne s'est pas véritablement emparée de ce sujet. On sait très bien que derrière la culture, derrière la langue, il y a des enjeux économiques. Quand on voit des pays francophones basculer dans le Commonwealth, on a quelques questions à se poser. Voilà, mon propos, c'est de dire qu'il faut donner de la cohérence, il faut donner une perspective positive autour de tous ces enjeux. Et je finis par une dernière illustration. Ma propre entreprise travaillait en Iran. L'Iran, pour des raisons qu'on peut comprendre, est blacklisté en fait à l'initiative des Américains. Séance tenante, mon entreprise a dû se replier d'Iran. Pourquoi ? Parce que nos contrats bancaires comportaient une petite clause, comme on en trouve parfois, au revers d'une page, selon laquelle si nous commercions avec un pays en dollars, avec un pays blacklisté, tous nos contrats bancaires seraient dénoncés. Ça représentait de tête 1/1000 du chiffre d'affaires de mon entreprise, mais avec des perspectives très intéressantes. Eh bien, nous nous sommes repliés d'Iran parce que sous la pression américaine, il nous était interdit de travailler là-bas. Les Américains, dans le métier que j'exerce, continuent à travailler en Iran. Merci. Merci à vous, Monsieur Martin, pour en effet cette conclusion. Et vous en maîtrisez l'art puisque vous ouvrez à la fin, ce qui permet de relancer le débat. Évidemment, comme je l'ai dit tout à l'heure, le public est souverain, donc n'hésitez pas à vous manifester pour poser vos questions dès que vous le souhaitez. J'ai envie peut-être d'en poser une relative notamment à l'enjeu de la coopération, parce que vous avez les uns et les autres évoqué à la fois, je dirais, des pistes pour l'avenir qui nous rendent un peu optimistes, mais un constat aussi fort inquiétant de la situation française quand même. Et je mesurais en préparant un peu cette intervention que l'opinion publique est pleinement également dans une posture assez inquiète. Elle était en juillet, 60% des Français considèrent que la France est en déclin. Et précisément lorsqu'on identifie les facteurs repérés par l'opinion pour expliquer ce déclin, on tombe. Voilà, la première cause, c'est le déclin de l'éducation. Mais tous les autres items sont d'ordre économique. Donc il y a la question de l'industrie, la question des délocalisations, la question du commerce extérieur. Donc la conscience aujourd'hui, on va dire dans l'opinion, de la perte de souveraineté économique est forte. Et par rapport à cette question de l'interdépendance, donc des rapports de force et aussi de la coopération, l'inquiétude est venue à plusieurs reprises dans vos interventions, notamment par rapport à la capacité à coopérer dans un monde qui est de plus en plus brutal et où finalement, on le voit bien, quand une puissance ne s'accorde plus avec les règles de l'OMC, elle décide de bloquer l'institution, les États-Unis, ou de sortir. La Chine met en place
sa propre régulation du commerce. La Chine refuse désormais les normes internationales en la matière et veut créer son propre système normatif. Donc comment continuer à se positionner dans l'ordre de la coopération lorsque, eh bien, finalement, on est dans des attitudes qui sont parfois de retrait et de rupture? C'est la question peut-être que je voulais vous poser. Oui, d'accord. Je voudrais un ou deux mots par rapport à ça. C'est frappant de voir qu'on a tous les quatre le même point qui est important, c'est de dire qu'aujourd'hui, la souveraineté économique pour la France, elle passe par l'Europe. On l'a dit de façon différente, mais on a tous dit ça. Ce n'est pas toujours ce qu'on entend en France. Hein. Et je vais juste prendre un exemple. Et l'Europe, elle avance qu'à un cas. J'ai pris l'exemple des vaccins, on l'a fait. Je vais prendre un exemple. Aujourd'hui, on ne le fait pas. J'espère qu'on va le faire, mais qui est très, très simple. La France a heureusement un peu moins besoin du gaz russe que les autres pays d'Europe. Mais n'empêche qu'aujourd'hui, chacun des chefs d'État se bouscule l'un après l'autre au Qatar et dans des pays comme ça. Je pense que si on achetait notre gaz dans ces pays-là tous ensemble, on l'achèterait mieux. Voilà. Donc, le réflexe national, je ne parle pas d'une partie des réflexes mouvement politique, mais ce que je veux dire, c'est que cette notion de l'Europe, que c'est par l'Europe, elle n'est pas complètement... Hein, et à l'intérieur de l'Europe, oui, ça passe par la coopération. C'est la première chose que je voulais dire. La deuxième chose que je voulais dire, je voudrais réagir par rapport à ce qu'a dit Patrick Martin. Bien sûr, c'est très bien. Ce serait formidable si on réouvrait nos mines de tungstène, nos mines d'or. Mais je pense que sur ce sujet des matières premières, il y a une autre chose qu'il faut qu'on fasse et qu'on ne fait pas. Et je vais comparer ce que fait la Chine et ce que fait l'Europe ou la France. Les Chinois ont eu sur ce sujet des matières premières depuis 20 ans, hein, une stratégie extrêmement claire. Pourquoi la Chine a été en Afrique? C'est pour s'assurer, hein, et un accès aux matières premières. Et nous, on est très, très naïfs sur ces sujets-là. Et donc, je ne pense pas qu'on... Sur les matières premières, et en particulier celle de la transition énergétique, hein, qui va demander énormément de ces métaux. On n'arrivera pas à les avoir sur le sol européen, hein, même en comptant la Guyane. Par contre, je pense qu'il faut qu'on invente des nouvelles manières de créer cette puissance, ce rapport de force, en allant, prendre avec des alliances, avec des pays très, très divers, pour assurer que quand il y a un problème, eh bien, les matières premières, elles arrivent chez nous d'abord, au lieu d'arriver chez les autres. Quand je dis chez nous, c'est en Europe. Donc je pense que là, il y a une politique de l'Europe aussi qui doit être beaucoup plus active. Et Patrick Martin a parlé des rapports qui ont été faits. Ça commence bien évidemment par cette cartographie qu'on n'avait même pas fait. On le fait un peu dans les entreprises. Et la cartographie des risques, c'est quelque chose que les cabinets d'audit nous ont poussé à faire depuis des années. Au niveau des pays, on est balbutiant. Et quand je compare par rapport à ce qu'ont fait les Chinois sur ces sujets-là, on a besoin de se réveiller. Si je peux rebondir. Mon propos était anecdotique et délibérément caricatural quand je parle de cette mine de tungstène. Enfin, on a aussi du lithium, etc. Ce que je voulais pointer du doigt, c'est l'incapacité à ce jour que l'on a à poser rationnellement les sujets dans un débat ouvert, dans un débat constructif. On veut plus de logements, mais on n'en veut pas à côté de chez soi. On veut plus de nucléaire et d'énergie renouvelable, mais on n'en veut pas à côté de chez soi. On veut plus d'usines, mais pas à côté de chez soi. À un moment donné, il faut quand même mettre carte sur table, et je le redis, apporter de la rationalité dans ce débat-là. Après, il est évident qu'on ne pourra pas être indépendant, même l'Europe, dans son entièreté, ne pourra pas être totalement indépendante sur un certain nombre de ressources absolument stratégiques. Mais ça renvoie à ce qu'on a évoqué les uns et les autres, la souveraineté financière et monétaire. Je cite là aussi un exemple. En Afrique, la France, l'Europe perdent régulièrement des marchés parce que la Chine, mais pas que la Chine, propose des conditions de financement qui relèvent en réalité du dumping. Je pense en particulier à un gros projet d'établissement hospitalier en Côte d'Ivoire. Ce sont les Asiatiques qui ont pris ce marché, alors que techniquement, l'offre française était reconnue comme étant la meilleure. Ça renvoie aussi à ce que j'ai évoqué sur la puissance militaire. On voit bien ce qui se passe en Afrique. Il y a Wagner, mais il n'y a pas que Wagner. Et si on ne peut pas rassurer, au cas par cas, un peu contraindre nos partenaires, en l'occurrence en Afrique, mais ça peut être vrai dans d'autres régions du monde, en leur disant, écoutez, si vous avez un pépin, on est là et on a les moyens de nos ambitions, bien évidemment, les cartes sont un peu brouillées.
Je voudrais rebondir sur les propos de Pierre-André Chalendar sur un sujet sur lequel la souveraineté a été parfaitement obtenue au niveau français et on a du mal à la mettre à un niveau européen, c'est celui des paiements. Il y a de nombreuses années, quelques décennies, les banques françaises ont créé un GIE qui s'appelle carte bancaire et qui permet, personne ne le sait, qu'à peu près 80% des transactions cartes en France soient exclusivement français. Depuis, de nombreux pays se sont amusés à faire ça. La Russie l'a fait avec un système qui s'appelle MIR pour échapper aux sanctions et aux embargos américains qui faisaient que si vous payez avec une carte Visa, Mastercard ou American Express, vous pouvez être bloqué dans votre paiement entre un porteur et un commerçant. En France, 80% des transactions sont exclusivement françaises et sont sous l'égide donc de cartes bancaires. Les cartes que vous possédez tous dans vos portefeuilles sont des cartes qui sont dites co-brandées, c'est-à-dire qu'elles sont à la fois carte bancaire et en général Visa ou Mastercard. Tout simplement parce que dès qu'on sort du territoire français, vous ne pouvez plus payer avec le système carte bancaire et vous passez sur le deuxième système de votre carte qui est celui de Visa ou de Mastercard. L'Europe a essayé de faire exactement... Donc souveraineté totale. Là, au niveau français, on a une souveraineté, pas totale, mais qui est très très forte pour permettre ces paiements entre nous. C'est un élément majeur, parce que ça permet effectivement pour les commerçants d'être assurés d'être payés. On a essayé de faire la même chose au niveau européen. C'est-à-dire qu'il y a eu un projet qui s'appelle l'Initiative européenne des paiements, qui a consisté à dire, mais pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas la même chose entre nous et de créer un scheme, c'est-à-dire un système qui permet d'avoir ces systèmes de paiement, exactement la logique de carte bancaire, mais cette fois-ci au niveau pan-européen. 31 institutions financières européennes se sont mises ensemble pour essayer de faire ça. Mais ça a bloqué, en fait, sur les positions de départ, sur la vision que l'on avait, et puis ça a commencé, une des banques, pour ne pas la citer, mais c'est une banque espagnole, a commencé à dire non, moi, puis aidé en cela par un acteur américain, a dit non, j'ai pas envie d'aller dans ce système, c'est trop coûteux, ça sert à rien, et petit à petit, par un effet domino, le système est tombé. Et aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où on n'a pas, finalement, plus de projet à un niveau européen pour assurer notre souveraineté en matière de paiement au niveau européen. Et on s'en remet systématiquement à Visa ou à Mastercard. Dès que vous passez de France en Allemagne, vous allez payer avec un système américain. Sujet qui est particulièrement ennuyeux pour ça. On va essayer de relancer ça, on va essayer d'avoir d'autres considérations. Mais voilà un exemple où la souveraineté française, qui est dans un périmètre franco-français dans un premier temps, est réussie. On a du mal à le proposer et à le faire de façon concrète au niveau européen. J'aimerais revenir sur le thème que vous avez évoqué, du déclin. Ça fait plus de 50 ans que les Français estiment que le pays est en déclin. Alors, il y a des raisons d'histoire longue, hein, ça, mais ça fait très très longtemps que les Français estiment que leur pays est en déclin, quand bien même encore à la date d'aujourd'hui, la France a un poids anormalement élevé dans l'économie mondiale, puisqu'on est un des premiers pays en termes de siège de très grands groupes internationaux. Et pourtant, ce sentiment du déclin, décennie après décennie, il est là. Et encore une fois, il y a beaucoup de raisons d'histoire longue. Mais c'est une difficulté indéniable qu'il faut traiter, surtout aujourd'hui. Parce qu'on n'arrivera pas, effectivement, à construire une souveraineté ou une liberté sans un récit qui donne envie, sans un avenir désirable. Aujourd'hui, ce que je reproche aux politiques, et pas qu'en France, objectivement, c'est qu'ils ont tous qu'un seul mode de communication, la peur. Il faut faire ça, sinon ça va être terrible. Il faut faire ça parce qu'on n'a pas le choix. Vous embarquez personne avec la peur, ça ne fonctionne pas. Aucun chef d'entreprise ne gère son entreprise juste avec des messages sur la peur, ça n'a pas de sens. Et je prends deux exemples qui sont fondamentaux. Un, je constate que quand les États veulent coopérer parce que c'est leur intérêt financier égoïste, ils le font très bien. En fiscalité, tous les États ont coopéré, France, États-Unis, tous, pour mettre des règles en place qui s'assurent qu'ils aient le maximum d'argent dans leur caisse. Là, c'était tous en train de coopérer, mais comme un seul homme, c'était absolument spectaculaire, même la Chine. Je constate que malheureusement, sur le sujet de la transition écologique, là, c'est un peu plus compliqué. Alors là, subitement, il ne s'agit pas de faire rentrer d'argent, mais de dépenser. Là, chacun est de son côté. Non, mais moi, je suis plus intelligent. Moi, je vais faire des éoliennes. Moi, je vais faire autre chose. Et ça avance moins. Or, si on mettait les choses sur la table, si on disait qu'il ne s'agit pas de se protéger contre la fin du monde, il s'agit de construire un autre modèle beaucoup plus désirable pour nous, pour les générations futures. Oui, ça va demander de l'investissement. Oui, ça va demander de la coopération. Oui, ça va demander de parler un même langage, mais ça en vaut la peine. On aurait une autre adhésion des citoyens. Et les entreprises le font jour après jour. Mais même si les entreprises sont très importantes et que les jeunes générations attendent beaucoup d'elles, ce n'est pas tout. Donc,
Donc là, je pense que par rapport au déclin, il y a une vraie responsabilité des décideurs publics en France et ailleurs de bâtir un récit qui fasse envie, qui projette de construction d'esprit de conquête. Et je me permets de repartir de là parce que ça évoque deux éléments. Construire un récit qui articule le national et l'européen, donc. Et on voit bien que faire de la coopération au niveau européen est difficile, parfois, vous l'avez mentionné, notamment parce que les forces de départ ne sont pas équilibrées. Lorsque la France a ses atouts dans le militaire, on comprend bien que la Pologne et l'Allemagne continuent à acheter du matériel aux États-Unis parce qu'elles ne veulent pas faire le cadeau à la France de lui concéder la défense européenne en construction. Donc le problème de la coopération, c'est aussi celui de la négociation d'un intérêt. Et sur l'écologie et la transition écologique, la question, c'est aussi des atouts de départ. Et on voit bien sur l'énergie, nous, qu'avec notre nucléaire, nous avons une position particulière et que le mix énergétique que la France va proposer ne va pas être le même que celui des voisins. Donc comment arriver? Je vous ai vu réagir sur la question. Oui, non, on n'avait pas abordé. Je trouve que c'est très intéressant. Jean-Marco parle du climat. Parce que le climat, c'est un sujet majeur aujourd'hui. Il est totalement orthogonal à la notion de souveraineté, en fait. Donc c'est par rapport à tout ce qu'on a dit, ça marche pas. C'est-à-dire qu'on pourra pas régler le climat. C'est la souveraineté de la planète. C'est-à-dire qu'en gros, le climat, si on peut faire tout ce qu'on veut dans une région du monde, si les autres ne le font pas, il ne se passe rien. Et au contraire, ça peut être pire. Donc ça ne rentre pas dans tout ce qu'on a dit. Et donc, par contre, sur le sujet du climat, on voit bien que, et on progresse, mais ça va être très compliqué, que la seule manière, si l'Europe veut avancer plus vite que les autres, c'est de mettre des frontières, là, par contre. C'est le mécanisme. Alors, il est très difficile. Une fois que j'ai dit ça, sur le papier, c'est simple de dire qu'il faut une taxe carbone aux frontières. En pratique, c'est très compliqué. Mais on voit bien que c'est la seule manière, parce que sinon, on se tire dans le pied. Et donc, on peut chercher à être les meilleurs. En France, on est encore meilleurs que les autres en Europe. On ne l'a pas fait pour ça, mais il se trouve qu'avec notre programme nucléaire, on est meilleurs que les autres. Mais le problème de la transition écologique, c'est que ça coûte très cher. Et que on a déjà, Patrick l'a dit très bien, on a un énorme problème avec la crise énergétique de compétitivité de l'Europe. Moi, je suis très inquiet aujourd'hui sur notre tissu industriel. Si on ne fait pas attention, on va avoir une nouvelle vague importante de délocalisation dans les mois ou les années qui viennent, si on ne règle pas ce problème de différentiel de coût énergétique. Mais on voit bien que le climat, c'est pareil. Si on met, un prix de l'énergie et du CO2 qui est élevé en Europe et qu'il n'existe pas ailleurs, on se tire dans le pied. Voilà. Donc ça, c'est l'anti-souveraineté, j'allais dire, le sujet du climat. Donc c'est très intéressant. Mais pour retrouver une souveraineté, de faire des choses, il faut remettre des frontières sur ce sujet-là. Je vous ai vu réagir, M. Martin. Oui, c'est pas proprement parler climatique, mais... On nous a fait croire à une époque que le nuage de Tchernobyl s'était arrêté aux frontières françaises. Oui. Donc évidemment, c'est un phénomène mondial. Non, moi, j'essaie de voir comment on peut faire coïncider les différentes problématiques. Le photovoltaïque est d'évidence une solution très intéressante. À part que les Chinois, qui ont eu, comme en toute chose, une stratégie de long terme puissante, subventionnés. Actuellement, on livre 88% des panneaux photovoltaïques qui sont mis en œuvre en Europe. Au même moment où la Chine a décidé de multiplier par 5 sa production photovoltaïque. Ça veut dire quoi? Ça veut dire soit que le marché européen ne sera plus approvisionné, ou s'il l'est encore, ce sera à des prix inabordables. La technologie derrière, elle est finalement... Bon, comme en toute chose, il faut s'en réjouir. Il y a des innovations tous les jours. Et à mon avis, ça sera ça la véritable réponse aux défis climatiques. Mais en l'état, le photovoltaïque, c'est une technologie assez rudimentaire à base de carbone. Alors pour le coup, le carbone n'est pas une terre rare. Eh bien, si on ne se dote pas de capacités industrielles à l'échelle européenne, en l'occurrence sur le photovoltaïque, on va accroître notre dépendance et on ne réindustrialisera pas et on ne réglera pas le nécessaire développement,
enfin en tout cas une partie du nécessaire développement des énergies renouvelables. Donc voilà, il faut essayer de mettre en cohérence tous ces sujets-là, mais qui sont en définitive, si on veut positiver, autant d'opportunités. Ça suppose quand même qu'on ait une vraie vision, qu'on ait une vraie stratégie, que les pouvoirs publics, singulièrement à l'échelle européenne, arrête peut-être de pinailler, pardon de l'expression, sur tous les sujets, lève le nez du guidon, mette les choses en perspective et d'un commun accord entre les pays de l'Union européenne se fixe des horizons. Sans quoi les autres iront plus vite que nous et on n'atteindra aucun de nos objectifs, y compris sur le plan climatique. Donc moins de normes ou des normes plus souples ? Moins de normes, moins de surtranspositions s'agissant de la France d'ailleurs, d'accord, qui accable souvent l'Union européenne alors qu'elle va au-delà ou en avant de ce que l'Europe décide. Mais ça, elle-même. Est-ce que ça veut dire aussi, selon vous, plus d'investissements publics ? Parce que pour rebooster ces filières, celles dont vous parlez sur le photovoltaïque, ou même tout à l'heure le militaire, on voit bien les investissements, ou lutter contre les cyberattaques demande aussi des investissements très importants. Or, vous avez évoqué la crise des finances publiques, donc la marge de manœuvre et donc la souveraineté, est-ce qu'elle n'est pas quand même très limité et oui. Comment rester optimiste ? Oui, alors ça renvoie pardon, à ce que je disais tout à l'heure sur la nécessaire rationalité des débats. Il y a des angles morts propres à la France sur le financement de tout ça. Je vous cite simplement deux chiffres. Il y a une loi climat et résilience qui a été votée quasiment à l'unanimité l'année dernière. Nous, on a fait chiffrer le coût de la tonne de CO2 évitée par les 220 articles de la loi climat et résilience. On aboutit à un prix de 800 euros la tonne. Le prix de marché est de 100 euros. Il a beaucoup augmenté, il augmentera probablement encore, avec des problèmes de compétitivité d'ailleurs, selon les tarifications qu'on a d'un continent à l'autre. Mais ce n'est pas 800 euros. Ce que je veux dire par là, c'est que de bonne foi, mais avec beaucoup de naïveté, on va engager beaucoup d'argent pour des résultats environnementaux assez faibles. Or, on manque d'argent. Deuxième chiffre que je cite, nous on a fait chiffrer parce que ça ne l'était pas, nous c'est le MEDEF, on a fait chiffrer ce que coûterait aux entreprises, je ne parle même pas du pays lui-même, aux entreprises françaises, l'atteinte de nos objectifs de décarbonation pour, dans un premier temps, 2030. C'est de l'ordre de 35 à 40 milliards d'euros d'investissements supplémentaires chaque année pour les seules entreprises françaises. Donc si on ne se donne pas là aussi les moyens de ses ambitions, c'est-à-dire si on ne pose pas le débat et si on ne conclut pas de manière constructive en disant il faut laisser aux entreprises les marges de manœuvre financières, le cas échéant aidées par l'État, encore faut-il que l'État ait lui-même des marges de manœuvre financières pour atteindre cet impératif objectif de décarbonation, on parle pour ne rien dire. Donc voilà, de temps en temps, il faut mettre les pieds dans le plat. Monsieur Mazoui. Oui, non, sur ce point des finances publiques, il faut avoir conscience que l'Europe et la France ont fait un choix depuis quelques décennies qui était de confier, puisqu'on tourne autour du sujet militaire, de confier leur défense à l'OTAN plus qu'à prendre en main leur destin sur ce sujet-là. Et le budget de la défense était sur un cycle très intéressant. Dans les années 60, la France dépensait environ 6% de son PIB pour sa défense. C'est un budget qui est extraordinairement concentré et qui reste en France. Et c'est un modèle où on trouve en fait cette dépense publique qui va alimenter des centres de recherche et qui va alimenter derrière des industries et des entreprises leaders. Et si aujourd'hui on a cette part d'électricité en nucléaire, si on est dans le spatial, si on est dans l'aéronautique, c'est grâce à ces budgets de défense. C'est un système très intéressant que l'on voit d'ailleurs dans un pays comme Israël, hein, qui est exactement sur ce sujet de la souveraineté, avec ce budget de la défense. Aujourd'hui, le budget de la défense en France, c'est entre 1,5 et 2%, avec une tendance à remonter à 2%. Les Allemands, effectivement, ont décidé aujourd'hui d'un plan important. Non pas dans une logique belliqueuse, c'est pas ça. C'est également un moyen de soutenir terriblement l'industrie des pays. Il nous faudra, y compris dans le numérique, il nous faudra retrouver aussi cette capacité, alors que un peu plus de 55%, je crois, du PIB de la France est consacré aux dépenses de solidarité. Donc on a véritablement, sur ces sujets de souveraineté, tout ce que l'on dit aujourd'hui passe par un effort évidemment financier pour arriver à réindustrialiser et à se redoter des capacités. Un effort financier public et privé, en fait. La salle, avez-vous, mesdames et messieurs, des questions, une volonté de poser des questions ou de faire des remarques par rapport au cours du débat tel qu'il se déroule ? Monsieur, oui. Bonjour à tous, merci beaucoup pour vos interventions. Je suis élève d'HEIP Lyon et Paris en même temps, donc le groupe HEIP qui est aussi partenaire de cet événement. Moi j'avais une question
à tous. On parle aujourd'hui de guerre, mais vous le savez, en termes économiques, on a toujours été en guerre. Une guerre qui ne s'habille pas avec des canons à poudre, mais qui se drape d'armes économiques. Fuite des cerveaux, guerre des brevets, guerre du blé, de l'acier chinois, etc. On a mille et un défis pour retrouver cette souveraineté, mais nous n'avons pas mille et un partenaires financiers, comme on l'a dit précédemment. On se finance avec ses partenaires concurrents pour se protéger de ses partenaires concurrents. Donc c'est dans cette situation toute l'ambiguïté de la chose. Donc ma question n'est pas dans quel domaine nous devons investir, mais comment retrouver une souveraineté de financement française, européenne, avec des partenaires fiables. Est-ce que ce n'est pas une nouvelle mission de toutes les entreprises de participer à cela, avec en retour pour ces entreprises de financer cet effort des externalités pour elles, des nouveaux parts de marché, des nouveaux brevets, des nouveaux investissements, donc financés par nous, pour nous, selon les différentes échéances et les différents partenaires, pour, entre guillemets, se protéger, bon, je vais tomber mon téléphone, se protéger de tous ces acteurs qui nous concurrencent sur tous les domaines de cette guerre économique. Merci à vous, monsieur. Je vais peut-être faire un élément de réponse. D'abord, il ne faut pas confondre guerre et compétition. Il n'y a pas de guerre économique. La vraie guerre, elle est en Ukraine en ce moment. Ce n'est pas du tout la même chose. La vraie guerre, on l'a connue au XXe siècle en Europe. J'espère qu'on ne la connaîtra plus. Donc, il y a une compétition économique, bien sûr, entre entreprises, entre États. Il ne faut pas être naïf. Chacun a ses intérêts. Mais la compétition, c'est l'ordre naturel des choses. Et à partir du moment où on n'est pas naïf et qu'on a une éthique de la réciprocité, une éthique de la compétition, on s'en sortira très bien. Sur la question effectivement, de l'investissement qui est nécessaire, on a vu les marges de manœuvre limitées des États, qui, du coup, aux entreprises de le faire, il y aurait un moyen facile d'accélérer. Parce que sur le climat, idéalement, on est en retard, ça c'est certain. C'est qu'aujourd'hui, il est très difficile pour l'entreprise d'investir. À partir du moment où on ne parle pas le même langage, on ne juge pas selon les mêmes normes, et ce que je fais moi en France, c'est peut-être pas forcément vertu à côté. Encore une fois, on a Deloitte avec la CDC, on a créé un partenariat pour s'assurer qu'on intégrait, qu'on calculait l'impact sur la biodiversité de chacun des investissements, ce qui est un peu le grand oublié de l'écologie aujourd'hui. Mais si demain, l'Europe, à fortiori la France, on peut rêver d'un système commun avec les Américains, arrive à une norme claire, où chacun parle le même langage, chacun est jugé sur la même norme, là, vous aurez plus d'investissements. Parce que là, ça sera lisible. On aura à peu près tous les mêmes contraintes et les mêmes avantages, et la France pourra faire jouer sa technologie, son savoir-faire et sa puissance économique. Alors qu'aujourd'hui, effectivement, si nous on fait passer une loi qui nous coûte 800 euros la tonne de carbone pendant que les autres ne le font pas, là c'est la naïveté, et là on n'arrivera à rien, et donc on ne le fera pas, et on sera toujours en train de discuter de ça dans 50 ans. Donc la compétition, ce n'est pas la guerre, heureusement, elle est saine. Ce dont les entreprises ont besoin, parce qu'elles sont toutes convaincues qu'il faut le faire, pour accélérer dans la mutation écologique, c'est d'une harmonisation des normes claires, transparentes, qui s'appliquent à toute l'Europe et, si possible, harmonisées avec les Américains. On verra avec les Chinois dans un second temps. Monsieur le Chairman. Oui, moi je voudrais, sur le sujet du financement, je pense qu'il y a un point important, c'est qu'on ne peut pas tout faire. Et donc, on a évoqué pas mal de sujets. Moi, j'aime bien les priorités qu'a très bien résumé dans son introduction Patrick Martin, mais je pense qu'on ne peut pas tout faire. Et donc, il faut choisir ses batailles. Et si j'ai une grille de lecture ou un critère, je pense qu'il vaut mieux investir sur les choses du futur qu'est d'essayer de rétablir des choses qu'on a perdues. Et donc, pour des pays comme l'Europe, la sortie, elle est par devant, et donc elle est par l'innovation. Donc je pense que c'est l'innovation et l'éducation qui va avec. Mais il ne faut pas rêver de rétablir des choses qu'on a déjà perdues, parce que là, on va dépenser beaucoup d'argent, on n'y arrivera pas. Et avec l'innovation, il faut construire les rapports de force qui fait qu'on pourra avoir le reste. Mais on peut pas se replier sur toi et on ne peut pas tout faire, on ne peut pas tout financer. Il faut bien choisir ses batailles. J'ai senti une légère mise en cause des établissements financiers français dans la question. Et donc, je voudrais néanmoins quand même intervenir. Il n'y a pas de problème de financement en France. Mais il n'y a pas de problème de financement. Il y a des problèmes d'investissement. Et je voudrais que vous fassiez la différence entre les deux. Les entreprises françaises trouvent tout le financement en dette qu'elles souhaitent, grâce à des établissements français qui sont très fortement dotés en capital et qui sont capables justement d'apporter ce financement. Il faut rappeler qu'une banque, 90% des financements qu'elle fait, c'est de l'argent qui provient de ses épargnants. Donc on a toute petite responsabilité de faire attention à ce que l'on finance.
et un problème d'investissement, ce qui n'est pas du tout pareil. C'est-à-dire que les entreprises aujourd'hui ont beaucoup plus de mal à trouver des fonds propres, et on voit de nombreuses entreprises en innovation faire des premiers tours de table au niveau français et rapidement avoir besoin, parce que le tour de table s'élargit, parce que le montant en série C, en série D, augmente, passer sous contrôle américain, parce qu'elles vont trouver le financement à ce moment-là en dehors de la France. Donc c'est un autre sujet. La France ne s'est pas dotée d'un fonds de pension qui permet d'investir. On se retrouve en situation où on a du mal derrière à avoir cet apport en fonds propres. Je voudrais que vous fassiez la différence entre les deux, parce que ce n'est pas les établissements bancaires qui sont concernés, c'est notre capacité collective à avoir suffisamment d'épargne qui s'oriente vers les entreprises et vers l'innovation. Vous citez les fonds propres, mais est-ce que c'est le seul moyen de financer de l'investissement, ou d'après vous, d'autres dispositifs sont mobilisables? Parce que c'est vrai que ça nous pénalise, mais y a-t-il d'autres solutions? Non, mais quand on parle de fonds propres, je suis évidemment totalement d'accord. Il faut orienter l'épargne beaucoup plus vers l'investissement productif et l'innovation, qui est un investissement à risque, qu'on ne le fait actuellement en France. J'employais ce terme d'angle mort tout à l'heure dans le projet de réforme des retraites, parce que c'est un chiffon rouge aux yeux de certains. On ne parle pas de retraite par capitalisation, ce qui est une monstruosité. Et on a tous en tête que les fonctionnaires, eux, bénéficient d'un régime de retraite par capitalisation, les mêmes fonctionnaires qui s'opposent à ce que ça se développe bien au-delà de ce qui existe, avec des améliorations depuis la loi Pacte au bénéfice du secteur privé. Mais pardon, je ne réponds pas à votre question. J'évoquais tout à l'heure la dimension culturelle de ce sujet de souveraineté et de liberté. Ça a été repris sous forme de narratif. Moi, j'aime beaucoup cette expression. Il y a une dimension fondamentale qui va même au-delà de tout ce que j'ai pu lire, en tout cas moi-même, qui est cette dimension de soft power, en définitive. Donc il y a la prise de conscience que c'est possible, mais il y a également ce sujet absolument transverse, fondateur, et qui finalement est peut-être le principal. J'ai parlé des six piliers, il y en a un septième, je gardais ça pour la fin, qui est celui des compétences, de la formation des compétences. Et on a un décrochage singulièrement en France, auquel on peut remédier. D'ailleurs, on a commencé à y remédier quand on voit le succès collectif extraordinaire qu'on a eu sur l'apprentissage, alors que là aussi, il y avait une forme de résignation depuis des décennies. Chacun appelait de ses voeux la relance de l'apprentissage. On y est arrivé. Et il y a une prise de conscience, c'est le commencement de tout, de la nécessité de rehausser le niveau des formations, depuis le primaire d'ailleurs, singulièrement dans les disciplines scientifiques, parce que l'économie de la connaissance, elle passe par les sciences. Moi-même, je ne suis pas scientifique, donc je le dis avec d'autant plus de conviction. Il faut qu'on, sans tarder, on mette en œuvre ces stratégies, qu'on mette en face des moyens. Et ce n'est pas toujours une question de moyens financiers. Si on parle d'enseignement, vous parliez tout à l'heure de dépenses sociales, on le sait tous, la France consacre beaucoup d'argent à son système éducatif, mais pas nécessairement au bon endroit, et pas nécessairement avec des stratégies et des objectifs bien définis. Si on règle, et ça ne peut se faire que dans la durée, parce qu'évidemment, un gamin qui rentre dans le primaire, il ne sera pas sur le marché du travail demain matin. Donc il y a une forme d'inertie. Mais raison de plus pour aller très vite, en partageant, y compris avec les acteurs économiques, les analyses, puis ensuite les objectifs. Et je finis là-dessus. Les entreprises vont avoir un rôle absolument déterminant sur ce sujet essentiel de la souveraineté via la liberté. Et là, on a un actif, en quelque sorte, qui est extraordinaire et dont tout le monde n'est pas conscient. Les dernières enquêtes d'opinion convergent toutes. Les entreprises sont considérées par nos concitoyens comme l'acteur le plus pertinent pour régler bon nombre de problèmes, y compris sur le sujet essentiel, évidemment, de l'environnement. Et donc, il faut capitaliser sur ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, on a beaucoup parlé d'institutions, là, on a beaucoup parlé de normes, et il le fallait. Il faut quand même faire confiance au privé et se départir, en tout cas dans l'esprit de certains, de cette idée que le privé n'est que court-termiste et égoïste. Y a-t-il parmi vous des personnes qui souhaitent intervenir? Oui. Bonjour, merci beaucoup. Florence Verzelen, je suis directrice générale adjointe de Dassault Systèmes. J'ai trouvé les débats passionnants. Je voulais revenir sur la souveraineté numérique et ce qui a été dit, parce que pour moi, les données numériques sont hyper importantes.
Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, quand on a accès à nos données, on a accès à nos IP, à notre IP, on a accès aux opérations de nos usines, on a accès à nos opérations militaires. Et toutes ces données, aujourd'hui, sont dans le cloud. Or, si on est sur un cloud américain, on est soumis au Data Act. C'est quoi le Data Act ? Le Data Act, ça fait que le Sénat américain peut avoir accès à ces données at any moment, à n'importe quel moment, s'il le considère utile. Si on est sur un cloud chinois, il n'y a pas l'équivalent du Data Act, mais je ne suis pas totalement sûre que ce soit tellement meilleur. Donc du coup, la question que ça pose, c'est est-ce qu'il faut vraiment un partenariat avec les Américains, les AWS, les Google Cloud, les Microsoft Azure, ou est-ce qu'il ne faut pas pousser à l'obligation pour des données stratégiques d'être sur des clouds souverains européens. Aujourd'hui, Dassault Aviation, très beau groupe, est sur un cloud européen souverain, mais Safran est aussi en train d'y aller. La gendarmerie nationale est rentrée sur un cloud souverain européen. Thierry Breton veut lancer un cloud européen souverain de défense sans acteur ni américain ni asiatique. Est-ce que ce n'est pas ça la vraie question ? Aider et forcer pour nos données stratégiques le maintien de ces données et par un cloud souverain européen. Vous nous dites que c'est possible. Je vous dis que ces clouds existent. Atos Cloud, le cloud de Dassault Systèmes, mais aussi des clouds développés par Orange. Ça agit sur votre propos. Aujourd'hui, si en tant que j'ai sous ma responsabilité l'ensemble de l'informatique du groupe Créer École, qui est le principal en général client de toutes les grandes sociétés IT, compte tenu de notre dépense informatique qui est notre chaîne de production. Donc on a des dépenses qui sont importantes. Si je compare l'offre qui est faite par les fournisseurs américains par rapport aux fournisseurs européens, le niveau n'est pas le même. Pas simplement en termes de... c'est pas une question de sécurité, c'est une question effectivement de fonctionnalités qui sont déployées. Je ne trouve pas le même service, si je cite OVH, que je trouve chez AWS ou chez Google Cloud. Ça n'empêche pas que ma responsabilité, c'est effectivement de faire cet équilibre et de dire comment est-ce que je peux aller vers un cloud souverain à des conditions qui sont acceptables sur un plan financier et avec tout le niveau de sécurité que l'on peut et de confidentialité que je peux avoir. Je sais que les entreprises européennes ont tendance à dire, et vous avez cité à dessein, je crois, des entreprises de la défense, ce qui n'est pas confidentiel, je peux le laisser sur des clouds américains. Ce qui est confidentiel, je n'ai pas du tout intérêt à le mettre sur un cloud américain compte tenu de cette extraterritorialité des lois américaines. De nombreux projets existent pour avoir du cloud souverain, mais basé sur des technologies américaines. Les projets qui sont faits entre Thales et Google, entre Capgemini, Orange et Microsoft, pour être capable d'avoir des entreprises françaises qui ne seraient pas du tout soumises à la réglementation américaine, mais qui néanmoins s'appuieraient sur des technologies. J'appelle de mes voeux un cloud européen qui soit au même niveau que ce que l'on trouve aujourd'hui au niveau des hyperscalers américains. J'appelle de mes voeux, comme vous. Et j'espère qu'un jour, nous pourrons bénéficier de cet environnement qui nous permette de maîtriser à la fois la sécurité, la confidentialité de nos données et de faire en sorte que l'ensemble des données des citoyens européens soient mises dans ce niveau-là et dans cette considération-là. Pardon, il y a une autre illustration dans la téléphonie. Pourquoi les opérateurs, en tout cas certains d'entre eux, s'étaient tournés vers Huawei ? Pas pour donner des données aux Chinois, en supposant qu'effectivement les services chinois soient derrière Huawei, ce qui est tout à fait probable. Mais parce que la technologie, à l'instant où ces décisions ont été prises, la technologie de Huawei était en tout cas perçue comme la meilleure. Donc il y a un impératif de remise à niveau, je ne parle pas de Dassault Systèmes, qui est une référence mondiale évidemment, mais il y a une nécessité de remise à niveau, donc d'investissement, donc de compétences. Oui, mais ça, Patrick, si je peux me permettre sur ce sujet, c'est parce qu'il y a eu des politiques européennes qui ont été dans le mauvais sens, puisque les grands équipementiers des télécoms, c'était les Européens. D'ailleurs, les Américains n'en ont pas. Nous, on en avait, ils se sont fait battre par Huawei. Mais ils ont baissé beaucoup parce que la réglementation de la concurrence en Europe a fragmenté notre système des télécoms. Et donc, du coup, il n'y a pas eu la capacité d'investir. Donc, c'est là que la politique... les politiques publiques sont quand même très structurantes sur ces sujets-là. Et moi, je suis assez d'accord avec ce que dit Mme Vassal. Je pense que sur ces sujets de cloud, on n'arrivera pas à être au niveau pour avoir une offre suffisante par rapport aux Européens s'il n'y a pas
par rapport aux Américains, s'il n'y a pas, alors je ne suis pas spécialiste, mais s'il n'y a pas un certain nombre de décisions, je ne sais pas lesquelles, qui sont des décisions politiques, hein, pour inciter ou favoriser ou interdire, je ne sais pas. Donc il y a un certain nombre de domaines, je crois, où il y a vraiment les politiques publiques qui sont très importantes. Oui, on revient à cette question du récit et de la volonté politique quand même, oui. Pour notamment garantir une souveraineté là où c'est essentiel. Et vous avez par... Ah oui, madame, oui. Le micro, voilà, merci. Je veux terminer votre phrase, monsieur, s'il vous plaît. Non, non, allez-y, je vous en prie. Non, mais moi, j'ai juste une réflexion de citoyenne, parce que je trouve que la salle est hélas... Enfin, vous êtes à très haut niveau, j'ai l'impression, dans les grands débats du MEDEF, que j'ai suivi pendant des années. Moi, je suis une touriste de Paris et Saint-Raphaël, et je me sens très, très inquiète. Pas la peur, l'inquiétude. Vous nous rassurez. Enfin, moi, personnellement, je parle un peu au nom d'un certain nombre de gens, j'imagine. Moi, vous me rassurez par la teneur de vos débats et la qualité de vos discussions. Je sens que vous cernez énormément de problèmes, que vous les voyez. Ce qui me gêne, c'est cette histoire, c'est comment faire l'histoire, qui l'a fait, qui a la neutralité pour la faire, quel médiateur pourrait faire l'histoire. Parce que vous me reparlez des entreprises et du politique, moi je suis fatiguée. Ça fait 30 ans que je suis dans ces débats et ça m'inquiète énormément. Je pense que les jeunes ne sont plus là. Les jeunes ne peuvent plus entendre ça. Pour eux, il y a le feu, il y a l'inquiétude, ils tournent tous vers des opérations extrêmement concrètes de nourriture, d'agriculture, de faire leur petit groupe. Un peu de survie, je trouve. On parle beaucoup de la survie. Hein. Je suis plutôt dans ces univers pour essayer de comprendre et moi-même me mettre peut-être en survie parce que je suis très inquiète. Voilà. J'ai confiance dans les potentiels des entreprises. J'ai toujours pensé ça. Vous êtes vraiment sur des sujets passionnants, mais très techniques pour nous. Moi, je suis à Saint-Raphaël. Je sais que ces débats sont de très haut niveau. Mais qu'est-ce que peut faire une question? Qu'est-ce que vous attendriez des citoyens? Comment on peut faire l'histoire? Comment on peut dire autour de nous? Parce que je pense qu'on est aussi des médiateurs. Je suis moins pessimiste que vous. Il y a des études extrêmement intéressantes qui mesure le sentiment ou la perception qu'ont les Français du progrès scientifique et technique. Alors on était dans les profondeurs du classement, il y a quelques années encore. La pandémie a eu au moins ça de bon, de révéler à tout un chacun, y compris aux jeunes, que sans progrès scientifique, sans progrès technique, sans recherche et développement, on n'aurait pas aussi vite qu'on l'a fait développé des vaccins efficaces. Et il y a cette prise de conscience que s'agissant de la transition environnementale, finalement, il y a deux options. Il y a la décroissance, qui est ravageuse, singulièrement dans notre pays, parce que tout le modèle social est fondé sur la création de richesses. Donc le modèle social français s'effondrerait. Donc il y a l'option de la décroissance et il y a l'option de la croissance décarbonée. Et quand on voit quotidiennement toutes les innovations extrêmement puissantes qui émergent, s'agissant notamment de l'énergie, ça aussi s'est intégré par un nombre croissant de nos concitoyens. Et donc, dans la dernière enquête à laquelle il a été procédé sur la perception qu'ont nos concitoyens du progrès scientifique et technique, la confiance a massivement augmenté. Donc voilà, ne voyons pas que les minorités agissantes qui existent, qu'on se doit d'écouter, de respecter. Il y a un sentiment profond qui va plutôt dans le bon sens. Objectivement, quand on regarde, si on parle de la jeune génération, ce qui est frappant, c'est quand une majorité d'entre elles entreprend. Créer des start-up, ça marche pas, mais ils veulent entreprendre, ils veulent créer des choses, parfois d'ailleurs pour défier les grands groupes que nous sommes, pour créer un autre monde, mais c'est très bien. Ils entreprennent et de différentes façons, donc ils sont plutôt optimistes. Je pense que si on veut écrire l'histoire, il y a une chose pas simple, mais très rapide à faire, c'est de sortir de la culture des sondages pour entrer dans la culture de l'action. Parce qu'on ne serait jamais allé sur la Lune si on avait eu la culture des sondages. Parce qu'on passe son temps à faire les sondages, les Français pensent ci, les Français pensent ça. Franchement, on s'en fiche. Il faut avoir une rationalité, fixer un cap et l'appliquer. Et il a fallu que ce soit Amazon qui va y aller dans l'espace pour que les États-Unis et l'Europe se disent « Tiens, il faudrait qu'on retourne sur la Lune ». Donc, sortons un peu de la culture des sondages, sortons un peu de la culture du commentaire permanent pour réinstaurer une culture de l'action, une culture de l'éducation. C'est ce que les jeunes nous montrent en entreprenant.
Et là, on a de quoi, franchement, être optimiste. Ça ne va pas être facile, ce n'est jamais facile. Mais il y a beaucoup de talents, il y a beaucoup de capacités en Europe, en France, aux États-Unis ou ailleurs. On n'est pas tous d'accord. Mais si on arrive à aller dans le même sens, honnêtement, l'avenir à créer est fortement désirable. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ça. Je crois que les jeunes aussi, ils nous poussent de façon positive parce qu'aujourd'hui, ils recherchent du sens. Et donc, ils se posent des questions. Je veux dire, aujourd'hui, si on veut recruter, il faut proposer, il faut être attractif. C'est plutôt les jeunes qui nous choisissent que nous qui les choisissons. Et leur rapport à l'entreprise dans laquelle ils sont, elle est beaucoup plus exigeante. Et donc, ils se posent beaucoup de questions, ils réfléchissent. Et donc, pour moi, c'est extrêmement positif, c'est un facteur d'optimisme. Donc, je suis aussi... évidemment, alors, je pense qu'une partie de ce que vous dites, on est dans un environnement géopolitique avec la guerre à nos portes qui est très anxiogène. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'éléments qui devraient nous conduire à être optimistes. Et je pense que les jeunes en sont, je suis tout à fait d'accord avec Jean-Marco, sont un facteur pour moi d'optimisme. Ils poussent beaucoup partout. Je rejoins complètement ces propos sur l'optimisme, sur le changement de modèle qui va arriver avec les générations. Je voudrais simplement insister sur le fait que la souveraineté a un prix. Ça a été dit également par nos dirigeants, et ça passe par des changements d'habitude. La consommation plus locale. Et je suis d'un groupe qui, évidemment, est très, très implanté dans les territoires. Ça passera par des changements d'attitude de la part des consommateurs dans le numérique. Ça passera par des changements également de consommation. Faut-il que je change mon smartphone tous les ans ? Sans aller dans la décroissance, on sait que ces sujets de souveraineté vont devoir se traduire par des comportements et par des changements d'habitude de la part des consommateurs français. Donc si je devais répondre à madame sur le qu'est-ce qu'on attend des citoyens, c'est la prise de conscience de ce que signifie la souveraineté au quotidien dans chacun de mes actes. Et je suis comme vous, je suis confronté à ça aussi tous les jours dans ma vie. C'est ce que j'essaye de faire, mais on a tous ces changements à opérer dans nos comportements. Ce qui peut être entendu là, c'est que vous êtes assez optimiste finalement par rapport à une culture de l'innovation dans ce pays dans la capacité notamment à profiter d'investissements dans la recherche-développement pour l'avenir sur des filières qui seraient, qui offriraient une garantie à notre souveraineté. Il y a un potentiel fort, moi je suis confiant, et par rapport à ce sujet de l'Europe dont on a parlé, je pense aussi que l'Europe bouge. Hein, on a dit souvent l'Europe avançait dans les crises. Alors là, on est servi. Hein, et je pense qu'on a évoqué tous des sujets sur lesquels c'était positif, sur lesquels c'était négatif. Mais je pense quand même que la prise de conscience de l'Europe sur ces sujets-là avance dans le bon sens. Pour moi, c'est aussi un facteur globalement. Hein, alors, il y a des hauts et des bas, ça avance par petits morceaux. Mais globalement, je pense que la souveraineté au niveau de l'Europe a fait des pas de géant depuis 5 ans, même s'il y a encore beaucoup à faire. Puis n'oublions pas, madame la directrice générale adjointe de Dassault évoquait le sujet brûlant du cloud et de l'emprise américaine. Mais le paradoxe, c'est que le cloud américain ou toute la tech américaine n'existerait pas sans les cerveaux français. Beaucoup de cerveaux français ont créé ça. Donc on a la compétence. L'enjeu, c'est d'avoir le récit et l'envie d'en garder un peu plus en Europe pour créer une souveraineté européenne plutôt que de les exporter systématiquement dans la Silicon Valley. Très bien. Mesdames, messieurs, y a-t-il une dernière question que vous aimeriez poser aux intervenants ? Non ? Bon. Écoutez, je pense que nous allons pouvoir conclure cette première partie de la matinée qui portait sur le sujet donc, des nouvelles souverainetés et des nouvelles libertés. Alors, je ne sais pas, messieurs, si vous voulez prononcer un dernier mot de conclusion. Dans tous les cas, nous avons noté plutôt une tonalité optimiste et je crois qu'on peut s'arrêter sur ce terme. Merci à vous.
Attends, les deux verres, je te les prends. Je vais me mettre avec des fois parce que tout le monde les attaque.
Mesdames, Messieurs, je vous remercie de bien vouloir prendre place. Dans quelques minutes, vous allez assister à la table ronde « Comment concilier avancées technologiques et liberté ?» Elle sera modérée par Véronique Jacquier. Nous y verrons intervenir Catherine Bréchignac, physicienne, membre de l'Académie des sciences, ambassadrice déléguée à la science, la technologie et l'innovation, Frédéric de Courtois, directeur général adjoint du groupe AXA, Pierre-Antoine Chardel, philosophe et sociologue, professeur et directeur du LASCO Idea Lab de l'Institut Mines-Télécom, et Charlène Diondi, docteur en sciences politiques. Bonjour à tous, bienvenue, bien entendu, pour ces belles rencontres, ces beaux moments d'échange en perspective, organisés par la ville de Saint-Raphaël. On ne remerciera jamais assez le maire Frédéric Masquelier, organisé bien entendu grâce à Deloitte, et bien entendu la revue politique et parlementaire. Je ne saurais trop vous recommander d'ailleurs, dans le sillage de cette belle conversation qui s'annonce, de lire la revue politique et parlementaire « Aimons-nous encore la liberté ?». C'est un très beau sujet. En attendant, comment concilier avancée technologique et liberté ? Là aussi, très vaste sujet. Catherine Bréchignac, Charlène Biondi, Frédéric de Courtois et Pierre-Antoine Chardel, des sensibilités différentes, une expérience incroyablement riche, bien entendu. Donc, le champ de compétences est vaste. Une heure et quart de débat, on va essayer de faire passer l'essentiel, de synthétiser, mais de vous nourrir également, puisque vous êtes déplacé pour cela. Alors, comment concilier avancée technologique et liberté ? Catherine Bréchignac, je vous présente d'une façon extrêmement pointue, puisque vous êtes physicienne, membre de l'Académie des sciences, ambassadrice déléguée à la science, à la technologie et à l'innovation. Vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages, dont La sardine et le diamant, de l'utilité, de l'ordre et du désordre au Cherche-Midi. Et votre dernier ouvrage, c'est Le retour vers l'obscurantisme, toujours au Cherche-Midi. Charlène Biondi, vous êtes docteur en sciences politiques, auteur de l'ouvrage Décoder une contre-histoire du numérique dans la collection Essais chez Bouquin. Comment penser l'impact des technologies si on ne peut plus les distinguer de nous-mêmes ? Ça, c'est vraiment un angle que l'on va aborder et qui paraît très, très intéressant. C'est un petit peu, finalement, la cerise sur le gâteau du débat qui s'annonce. Frédéric de Courtois, vous êtes directeur général adjoint du groupe AXA, en charge de la finance, de la gestion des risques, de la stratégie, de la réassurance CD et des opérations, un champ de compétences bien entendu qu'on ne présente plus. Et puis Pierre-Antoine Chardel, vous êtes philosophe et sociologue, professeur à l'Institut Mines-Télécom et chercheur au laboratoire d'anthropologie politique CNRS-HESS, hein, École des hautes études en sciences sociales. Et parmi vos ouvrages, L'Empire du signal de l'écrit aux écrans, publié en 2020 dans la belle édition CNRS, et puis Politique sécuritaire et surveillance numérique, toujours dans la collection CNRS. Donc vraiment tous, vous avez énormément de choses à nous apporter. Une heure et quart de débat avec vos questions, bien entendu, qui vont venir de la salle à la fin de notre conversation. Et puis question aussi de la part des étudiants de l'École des hautes études internationales et politiques, une école prestigieuse où ont été formés Peggy et Anatole France. Voilà, rien que cela, hein, donc c'est pas rien. Donc avançons sur le sujet, comment concilier avancée technologique et liberté. Bien entendu, avancée technologique, nous allons évoquer l'intelligence artificielle, des technologies visibles, invisibles, surtout qui sont donc difficiles à appréhender. Qu'est-ce que cela change ? Ça change notre rapport à la liberté. Encore faut-il savoir de quelle liberté nous parlons à l'heure du numérique. Et si notre liberté est menacée, liberté personnelle ou liberté d'un état de droit, pourquoi pas, hein ? Vraiment, vraiment, ça, il y a beaucoup, beaucoup de champs d'ouverture. Par qui ces libertés sont-elles menacées ? Alors, je vais donner la parole aux invités pour savoir déjà comment ils voient et comment ils appréhendent le sujet. On va commencer avec vous, Catherine Bréchignac. Comment concilier avancée technologique et liberté ? Merci beaucoup. Alors, comment concilier avancée technologique et liberté ? Tout d'abord, je crois qu'il faut redéfinir les mots. Le mot liberté, je ne vais pas le redéfinir parce que Pierre Magnan nous a fait un exposé remarquable hier. Et il parlait de la liberté individuelle et de la liberté citoyenne. Et moi, je vais me focaliser sur la liberté individuelle. Comment concilier les avancées technologiques avec la liberté individuelle ? Il a parlé... Quand il a défini la liberté individuelle, il a parlé du fait qu'il fallait éviter les obstacles. Mais pour qu'il y ait des obstacles, il faut qu'il y ait un espace. Donc, je vais plutôt me concentrer sur l'espace de liberté.
l'espace de liberté physique, de mouvement, et l'espace de liberté intellectuelle. Quant aux technologies, je trouve que la meilleure définition des technologies est donnée dans le livre de François Guinaud, qui concilie la science, les techniques, les savoir-faire en vue de réaliser un produit qui est défini pour une action, quelque chose de défini. Voilà, et donc comment ces technologies vont-elles modifier l'espace de liberté ? Alors tout d'abord, si on regarde l'espace de liberté physique, on se dit que effectivement les technologies nous ont énormément apporté depuis la nuit des temps pour augmenter cet espace de liberté physique. Si on se réfère à la fin du XVIIIe siècle, on mettait 5 jours pour aller de Paris à Brest en diligence et qu'à la fin du XXe siècle, on met 3h30. Donc effectivement, on a terriblement agrandi notre espace de liberté. On l'a agrandi aussi beaucoup avec la voiture. Alors la voiture, on a pris des voitures. D'abord, la voiture a été inventée comme voiture électrique. Et puis ensuite, on s'est rendu compte que finalement, c'était plus facile d'utiliser de faire du thermique parce qu'on faisait de l'électricité à partir du thermique. Donc il fallait mieux mettre le thermique directement dans la voiture. Donc on a commencé à faire des voitures. Et puis de plus en plus, on a des voitures de plus en plus sophistiquées. Plus personne ne sait réparer sa voiture. Et aujourd'hui, on nous dit qu'il faut revenir à l'électrique, mais en parallèle, on nous raconte qu'on va baisser l'électricité parce que ça coûte trop cher. Donc on est quand même dans un système où la liberté est un peu difficile à concevoir dans ce monde-là. Alors un autre exemple de liberté physique, c'est compte tenu du fait qu'on a maintenant... le numérique, on a des images que l'on peut avoir n'importe où et donc une surveillance absolument accrue des mouvements de chacun. Alors est-ce qu'on perd en liberté ? Est-ce qu'on s'en fiche ? C'est possible. Enfin, en tout cas, on ne peut pas y échapper. Donc ça, c'est un peu pour la liberté physique. Alors après, pour la liberté intellectuelle, c'est plus subtil. Pour la liberté intellectuelle, les technologies... Par exemple, je prends les technologies qui permettent maintenant de changer de genre. Alors, c'est très à la mode. On a envie d'être un homme quand on est une femme ou une femme quand on est un homme. Bon, c'est possible. Sauf que ça vous met un carcan hormonal dont on ne parle pas. Donc, ça vous prive d'une certaine liberté. Bon, il faut quand même le savoir. Rien n'est anodin quand on essaye d'augmenter la liberté. Puis, un autre point sur lequel je voudrais insister, c'est l'intelligence artificielle. Alors, qu'est-ce que c'est que l'intelligence artificielle ? L'intelligence artificielle, c'est lorsque vous mettez le contenu d'une partie de votre mémoire dans un ordinateur pour qu'il avance plus vite que vous ne le feriez vous-même. Bon, ça semble très bien, mais ça perturbe votre mémoire. Et perturber sa mémoire, si on enlève une partie de ce qu'on a dans la mémoire pour le mettre dans l'ordinateur, ça vous perturbe votre mémoire. Or, votre mémoire, c'est fondamental pour tout ce qui est instinctif. Quand vous vous trouvez devant quelque chose de nouveau, vous faites appel à votre mémoire, à ce que vous avez déjà vécu, pour essayer de penser le plus vite possible à ce que vous devez faire devant une situation nouvelle. Si vous n'avez plus l'ingrédient dans votre mémoire, vous allez vous trouver dans une situation difficile. Imaginez l'exemple le plus simple, c'est des numéros de téléphone. Vous avez tous vos numéros de téléphone dans votre téléphone, dans votre smartphone, vous appuyez sur une touche, vous avez la personne, très bien. Et puis si un bon matin, votre smartphone ne marche plus, que va-t-il se passer ? Alors, il faut penser à avoir des numéros d'urgence dans sa mémoire personnelle. Sinon, vous allez vous trouver complètement démunis. Donc, il faut faire très attention quand on a ces nouveaux outils. Et c'est un peu le sujet du débat qu'on va avoir aujourd'hui, c'est-à-dire comment utiliser intelligemment ces nouveaux outils et ne pas se laisser entraîner dans les nouvelles technologies, dans les avancées technologiques qui, elles, pourraient nous dominer. Voilà, c'est très clair, c'est très concret. Frédéric de Courtois, le regard, votre regard de chef d'entreprise, bien entendu, mais aussi peut-être une vision du coup plus politique, plus économique et aussi plus européenne sur ces enjeux. Comment concilier avancées technologiques et liberté ?
Alors, la question est intéressante. Elle laisse penser que avancées technologiques et libertés sont contradictoires ou incompatibles. Et je pense que la réponse est plus nuancée. Une même technologie peut être positive pour les libertés ou négative pour les libertés en fonction de l'usage qu'on en fait. Donc ça c'est le point de départ. Et c'est un sujet que les sociétés d'assurance, et AXA, qui est le groupe auquel j'appartiens, réfléchit quasiment tous les jours. On est des grands utilisateurs de technologies et de plus en plus. Ça va du big data, l'analyse des data, l'intelligence artificielle, l'analyse des images satellites, l'Internet des objets. Tout ça c'est l'assurance aujourd'hui. Et il est clair que les technologies aujourd'hui, les avancées technologiques, contribuent et sont une partie de la solution sur un certain nombre de grandes problématiques. Les problématiques de la nouvelle mobilité, de la transition écologique, de la pluralité de l'information, etc., etc. Mais si on regarde ces différentes technologies, je vais prendre un ou deux exemples, l'intelligence artificielle par exemple, ou l'analyse des data. Donc l'analyse des data nous aide à résoudre une quantité de problèmes. Elle pose des problèmes, elle pose des vraies questions en termes de propriété des données personnelles et donc de nos libertés. L'intelligence artificielle, donc ces algorithmes qui nous font des propositions, etc., sont aussi quelque chose d'extrêmement positif en termes de traitement des données, pour trouver des solutions, etc. Et elles nous enferment dans des carcans parce qu'elles ont des biais, donc nous dirigent vers des choix dont nous n'avons pas forcément conscience. Donc toutes ces technologies peuvent être prises d'un côté positif ou négatif. Donc je pense, c'est pour ça que je pense qu'il faut avoir une approche nuancée. Alors ensuite, quelle est la solution? Il n'y a pas de solution évidente. Nous, ce qu'on pense, c'est que la réglementation et la législation sont indispensables. C'est-à-dire qu'il faut encadrer l'usage des technologies. Est-ce que c'est suffisant? Non, ce n'est pas suffisant parce que les technologies évoluent rapidement, parce qu'il y a des usages auxquels on n'avait pas pensé. Et donc là, c'est plus compliqué parce qu'au-delà de la réglementation et de la législation, il y a une part d'éthique, d'éthique personnelle, d'éthique des entreprises, etc., etc., auxquelles il faut faire appel. Donc, il faut l'encadrer et il faut former les acteurs à ces problématiques éthiques. La question, mais ça rejoint une question qui est posée Madame, comment est-ce qu'on arrive à prendre des bonnes décisions sur ce sujet? C'est-à-dire, comment est-ce qu'on arrive à encadrer de façon réaliste, pragmatique, efficace ces sujets sur les nouvelles technologies? On n'a pas de meilleure idée que différents acteurs doivent être impliqués. C'est un processus qui est par essence démocratique, ce sont des décisions qui sont politiques. Donc le législateur, le régulateur, les citoyens, les entreprises, les experts, et j'insiste sur les experts parce que ce sont des sujets qui sont extrêmement complexes, et donc les politiques n'ont pas nécessairement tous les savoirs pour prendre des décisions, doivent se mettre autour d'une table, et on doit organiser un processus démocratique pour définir des règles. J'ajoute un dernier commentaire avant de conclure pour faire le lien avec la table ronde précédente. Il faut avoir en tête que ceux qui définissent, les États qui définissent les règles et les normes sur ces sujets, ont le pouvoir. Et ceux qui les définissent, c'est ceux qui maîtrisent ces technologies. Donc c'est un vrai sujet de souveraineté. C'est-à-dire que si on ne maîtrise pas ces technologies, si on n'a pas investi pour maîtriser ces technologies, on est par essence à la remorque et on est suiveur. Et donc on perd notre souveraineté. Donc voilà en quelques mots mon point de vue. Alors il y a j'ouvre la porte sur d'autres sujets que je ne traiterai pas, mais le premier, je vais poser plus des questions, c'est il faut une approche culturelle du sujet, parce que tous les pays, toutes les nations, tous les peuples n'ont pas les mêmes opinions, les mêmes avis sur ce sujet. Donc il faut et on peut avoir une approche culturelle de ce sujet. On peut et il faut avoir une approche psychologique de ces sujets. Nous, citoyens, on n'est pas tous les mêmes, on n'a pas tous la même approche du sujet, ça dépend des époques, etc. On peut avoir une approche en s'inspirant des grandes traditions spirituelles qui sont exprimées sur ce sujet. Donc, il n'y a pas de réponse unique.
Donc je reviens à mon premier point, il faut une approche nuancée en fonction des usages. Les technologies sont bonnes si elles sont bien utilisées, mais il faut certainement les encadrer. Oui, il faut les encadrer, il faut aussi l'assentiment du citoyen, on va y revenir, hein, qu'on met en concilier avancée technologique et liberté. Finalement, on ne peut pas faire les choses sans les citoyens, et vous l'avez dit, on n'est pas tous à égalité face à ces questions qui sont ô combien complexes. Alors, Charlène Biondi, vous, vous êtes docteur en philosophie, vous avez écrit un ouvrage « Décoder une contre-histoire du numérique ». C'est très très intéressant parce que vous posez cette question de comment penser l'impact des technologies si on ne peut plus les distinguer de nous-mêmes. Et là, avant même de poser la question finalement de l'adhésion aux nouvelles technologies, encore faut-il qu'on soit capable de faire le distinguo, tellement on fusionne avec elles, tellement elles ont une emprise finalement sur notre quotidien et même sur notre cerveau. Merci, vous résumez très bien la question principale du livre. Mais avant d'en venir là, je vais peut-être rebondir sur les deux précédentes interventions de notre table ronde aujourd'hui, qui, à mon sens, reflètent très bien l'ambiguïté du progrès technologique, où on voit bien que la technologie est à la fois une menace et en même temps un moyen d'expansion des libertés. Et quand on présente les choses comme ça, on se rend compte que finalement, l'enjeu serait, comme vous venez de le dire, monsieur de Courtois, de savoir et de trouver la meilleure manière d'encadrer ces technologies, de les réguler, de les maîtriser pour qu'elles ne soient pas trop une menace et plutôt un outil en faveur des libertés. Et moi, je crois que, en tout cas, c'est ce que j'essaie de faire dans mon livre, qu'on peut aussi penser l'enjeu de la technologie différemment, pas en mettant technologie et liberté sur le même plan et sur le plan d'une confrontation pour savoir laquelle menace l'autre et laquelle encadre l'autre, mais plutôt se demander dans quelle mesure les technologies redéfinissent profondément ce qu'on entend par liberté et ce qu'on désire, ce qu'on attend de la liberté. Alors, évidemment, moi non plus, je ne vais pas refaire une définition du mot liberté parce qu'apparemment, on vous l'a fait hier. Malheureusement, je n'étais pas là, mais c'était brillant de ce que j'entends. Mais c'est quand même important de préciser que on fonctionne dans une société sur laquelle on s'accorde sur le sens de certains mots. Et quand on dit liberté, tout le monde entend droit de faire certaines choses. Avoir des libertés, c'est le droit notamment de penser ce qu'on veut, d'aimer qui on veut, comme on veut, de croire en Dieu ou de ne pas croire du tout dans notre sphère privée, par exemple. Donc la liberté, le mot de liberté se réfère consciemment ou pas, à l'idée d'un sanctuaire, l'idée qu'il y a un lieu absolument neutre où on peut faire et penser et croire absolument ce qu'on veut, tant qu'on ne fait pas de mal aux autres, évidemment. Et ce droit, cette liberté en tant que droit à un sanctuaire, elle repose sur une autre idée qui est encore plus fondamentale, qui est l'idée que l'homme lui-même est un sanctuaire. C'est que on a besoin, s'il faut protéger nos libertés, il faut quand même le dire, c'est parce que notre humanité en a absolument besoin. On ne peut pas être humain si on n'a pas ça. En tout cas, c'est là-dessus que la société occidentale est construite. Alors pour ceux qui font de la philosophie, c'est le monoumenon de Kant. Pour ceux qui croient en Dieu, c'est le message de Jésus. Mais passons. Ce que je veux dire dans mon livre, c'est qu'il apparaît que l'ère numérique, toutes nos pratiques technologiques, est en train de rendre cette conception d'une liberté en tant que droit à un sanctuaire d'une certaine manière un petit peu obsolète, un petit peu anachronique, dépassée en somme. Alors d'une part parce que, alors, comme l'a dit Mark Zuckerberg, la vie privée n'existe plus avec tous les guillemets qu'il faut mettre puisqu'on s'expose, on s'étale en ligne et puis on présente très volontiers sur la toile, sur les réseaux sociaux, des choses que nos grands-mères n'auraient pas osé écrire dans leur journal intime. Alors l'expression n'est pas de moi, je l'applique à quelqu'un, mais je ne sais plus à qui. Donc en bref, les frontières du privé et de l'intime ne sont plus ce qu'elles étaient, et les réseaux sociaux en particulier ont joué un grand rôle dans ce déplacement des frontières de l'intime. Mais je crois qu'il y a autre chose de beaucoup plus fondamental, c'est que dans son fonctionnement, la technologie numérique ne peut ni respecter ni même reconnaître l'existence d'un sanctuaire, parce que tous ces services que nous utilisons et dont nous avons tant besoin et que nous aimons tant, l'intelligence artificielle entre autres, a besoin d'aller collecter les données, les relations de données propres à nos existences privées,
de connaître les étapes de notre raisonnement quand on va faire une recherche en ligne et qu'on passe d'un mot-clé à un autre, d'une page web à un autre, et de les enregistrer pour nous proposer un meilleur résultat de recherche la fois suivante, de connaître les étapes de nos relations amoureuses, les lieux où on va au restaurant pour nous proposer des meilleurs... Enfin bref, vous savez, tout le monde sait comment ça fonctionne, le profilage en ligne, et voire même de connaître nos battements cardiaques pour ceux qui ont des montres connectées. Et à mesure que nous utilisons ces services, donc de Google Translate aux applications de rencontre, je crois que nous adoptons plus ou moins consciemment cette façon d'envisager l'homme et le monde comme une matrice ouverte où les relations, où les données comportent une utilité potentielle tellement importante pour faire fonctionner la machine, mais aussi pour produire les savoirs, les connaissances, les services de l'ère numérique, que finalement on est prêt à les abandonner. Et donc je pense que on peut se demander si cette liberté sanctuaire qui a été tellement importante dans l'histoire culturelle, politique du monde occidental, elle est encore aussi désirable. Et finalement, c'est le titre de cette revue politique, aimons-nous encore la liberté? En fait, quelle liberté aimons-nous aujourd'hui? Évidemment qu'on aime une liberté, mais ce qu'on entend, ce qu'on désire quand on parle aujourd'hui de liberté, c'est peut-être autre chose que ce droit de penser, d'aimer ou de croire dans un sanctuaire privé. Alors, je ne vais pas vous encourager à acheter mon livre, même si, bien sûr, allez acheter mon livre qui est sorti la semaine dernière, mais j'y raconte une anecdote vers la toute fin, donc je ne vous dis pas comment ça termine, mais qui m'est vraiment arrivée en enseignant à la Sorbonne Paris Descartes il y a quelques temps, juste avant le Covid, où mes élèves, que j'adore, m'ont dit qu'ils n'en avaient rien à faire d'être manipulés par les technologies. C'est-à-dire le fait qu'on pouvait manipuler leurs opinions, c'était pas... Je leur dis, mais vous croyez vraiment que vous n'êtes pas libre? Ils me disent, non, on est parfaitement libre, mais bon, c'est pas grave si on est manipulé. Donc je termine là-dessus en ouvrant le débat, on va dire. C'est bien parce que vous mettez les pieds dans le plat, et c'est vrai que c'est une question ô combien prégnante qu'on ne ressent pas non plus le sujet suivant la génération à laquelle on appartient. C'est évident que pour les moins de 25 ans, le plateau que nous représentons, c'est presque peut-être de la préhistoire. Je dis ça évidemment sans offenser personne et je me mets bien entendu dedans. Mais c'est une vraie question, effectivement, l'ambivalence de la notion même de liberté suivant la génération à laquelle on appartient. Ça vous permet de rebondir sur ce beau sujet. Pierre-Antoine Chardel, vous êtes sociologue et philosophe, et vous avez ô combien travaillé sur ces questions du numérique, y compris vis-à-vis de la notion de sanctuaire et d'intériorité. Merci beaucoup. Alors, et bien sûr, on est avec beaucoup de résonance ici sur la question de la liberté, sur les technologies numériques. Je rappellerai pour commencer que renoncer à sa liberté, c'est renoncer à sa qualité d'homme. Donc on est quand même là sur un sujet extrêmement crucial et fondamental. Et je ne suis pas sûr qu'on puisse s'en passer. Encore faut-il pouvoir peut-être la redéfinir et insister sur le fait que la liberté doit passer par des capacités d'agir. Alors, pour commencer à poser quelques jalons, peut-on concilier avancée technologique et liberté? Je dirais oui, bien sûr, je rejoins ce qui a été dit précédemment, à condition de faire intervenir le travail de l'éthique. J'insiste dans mes travaux sur cette importance de faire travailler l'éthique, ce qui implique dans un premier temps de distinguer les contextes d'application et de déploiement des technologies qui ne posent pas les mêmes questions. Il va sans dire que les technologies ne posent pas les mêmes questions selon les contextes, si on est dans le domaine de la santé par exemple, ou de la communication ou des relations sociales, dont on sait à quel point elles sont en grande partie redéfinies par les technologies numériques. Et c'est en l'occurrence le numérique et la métamorphose qui nous fait vivre qui me préoccupe autant d'un point de vue philosophique que sociologique. Car le numérique nous pose des questions fondamentales d'un point de vue philosophique, notamment sur la manière dont nous souhaitons continuer à vivre ensemble, à créer du commun, pour reprendre cette question qui a été abordée par Pierre Manin hier. Comment prendre soin du sens aussi, face à un empire du signal, des environnements qui nous accoutument à interagir avec des signaux?
comment aussi faire preuve de responsabilité à l'ère numérique. Alors, pour poser un premier jalon en vue de la discussion, donc les avancées technologiques sont-elles compatibles avec la liberté ? Oui, seulement si nous sommes en mesure de les dissocier de l'idéologie techniciste qui les accompagne souvent. Je tiens beaucoup à cette distinction. L'idéologie techniciste consisterait à dire, par exemple, la sécurité serait assurée par plus de caméras de surveillance ou par des algorithmes. Un autre exemple, la santé en situation de pandémie serait davantage assurée par le traçage par des applications telles que Stop Covid. En somme, c'est une idée, un objet sur lequel on a débattu il y a quelques temps avec Valérie Charolle, Asma Mala et Mireille Delmas-Marty. C'est en somme l'idée que tout ce qui est technologiquement possible serait nécessairement mieux et bénéfique. En disant cela, je tiens juste à mentionner qu'il convient de développer une culture critique des technologies et des discours qui les portent, puisqu'il a été rappelé une définition de la technologie qui signifie aussi une dimension de langage. La technologie, techné et logos, logos c'est bien sûr la rationalité, mais c'est aussi du langage, des discours, des récits. Et on sait combien les récits qui entourent les technologies tendent souvent à neutraliser notre capacité critique. Aussi parce que ce qu'on appelle les technodiscours sont pluriels. Ils sont politiques, ils sont industriels, ils relèvent aussi du marketing. Et donc il est important, me semble-t-il, de dissocier les technologies de ces discours et donc de proposer un décryptage critique des technologies en considérant que notre liberté n'est plus simplement celle de parler, mais notre liberté s'exprime par cette capacité de faire parler nos environnements numériques. Alors comment faire parler nos environnements numériques dans la mesure où ceci nous enchante bien souvent? Qu'est-ce qui permet d'expliquer qu'on consent autant justement à laisser des parts de nous-mêmes, on consent tellement, on cède un petit peu sur nos libertés? Qu'est-ce qui fait qu'on accepte beaucoup, notamment ces enjeux de surveillance? Quelques éléments sur lesquels j'ai été amené à réfléchir. Les technologies numériques nous apportent beaucoup de confort. Un deuxième point, elles nous procurent aussi un sentiment de maîtrise et de puissance. Donc il y a quelque chose de très prometteur dans cette relation aux technologies numériques. Elles nous familiarisent aussi avec de l'intangible et de l'invisibilité. Non seulement leur fonctionnement est intangible, on ne peut pas les appréhender par exemple comme un moteur d'une voiture, au moins d'une voiture d'il y a avant une dizaine d'années, et ouvrir le capot. Il est de plus en plus difficile d'appréhender d'un point de vue critique, donc une technique qui n'est pas perceptible. Pour prendre un exemple très rapidement, si on considère que l'anthropométrie était l'ancêtre de la biométrie, autant l'anthropométrie peut générer un sentiment de malaise, on peut avoir immédiatement cette impression de réification de l'humain, autant les effets de la biométrie dans leur gestion politique des identités est beaucoup plus difficile à cerner. Alors comment faire face à ces régimes d'invisibilité? Comment faire face à ces défis d'un point de vue éthique et critique pour rendre visible tout un arrière-monde, finalement, un arrière-plan qui structure nos environnements numériques? Eh bien, ça suppose des efforts pour les rendre visibles par d'autres techniques, donc utiliser la technique pour contrer d'éventuelles dérives de certaines pratiques, développer... Je vais proposer ces quelques idées, des techniques de cartographie, des réseaux d'exploitation, de traitement de nos données, développer de la data visualisation. Ce sont là, ici, des efforts qui impliquent des dynamiques, bien sûr, transdisciplinaires. Ça implique de travailler à plusieurs disciplines, entre ingénieurs, entre designers, entre sociologues, entre philosophes. Pour résumer, la liberté n'est pas simplement la liberté de parler, mais repose sur une capacité de faire parler nos environnements numériques, de dévoiler
l'arrière-monde qu'ils impliquent, ce qui suppose, et je terminerai là, beaucoup de volonté et beaucoup de créativité et d'inventivité, en assumant aussi de pouvoir les détourner pour en faire des œuvres d'art. C'est à cela que s'emploient nombre d'artistes numériques aujourd'hui. Donc il convient d'être vigilant par rapport aux valeurs aussi auxquelles on tient. Les technologies doivent s'associer à des principes et des valeurs sur lesquelles on doit travailler, parce qu'en effet, il y a bien des enjeux qui sont à redéfinir. Mais autrement dit, il convient d'appréhender les technologies, non pas en les fantasmant, mais en les soumettant à un autre jugement critique, autant qu'à une ambition de créativité, pour permettre de stimuler de nouveaux commencements, pour reprendre la belle formule d'Anna Arendt. Donc oui, les technologies sont compatibles avec notre liberté tant qu'elles ne fichent pas notre imaginaire. Voilà, donc rester libre passe par la capacité à imaginer. Hein. Bon, c'est quand même une sacrée aventure que d'être encore en capacité d'imaginer. Frédéric de Courtois, avant justement de laisser la parole à Catherine Bréchignac sur l'imaginaire et où cela nous entraînerait, et surtout est-ce qu'on en est encore capable, puisqu'on voit qu'on a quand même un champ par rapport à l'imaginaire qui se réduit forcément, on le voit d'ailleurs avec les nouvelles générations qui ont beaucoup moins de capacité à imaginer. Mais vous, tout d'abord, Frédéric de Courtois, par rapport aux enjeux du débat qui ont été posés, une question me vient, la reconnaissance faciale par exemple, ou tout ce sentiment d'envahissement de certaines nouvelles technologies. Vous avez abordé la notion de on ne peut pas faire sans, les nouvelles technologies en soi peuvent être bonnes, mais il faut savoir les accompagner. Comment faire? Est-ce qu'on peut toutes les accompagner? Est-ce qu'on peut toutes les circonscrire avec notre intelligence? C'est une bonne question. Vous prenez l'exemple de la reconnaissance faciale, alors que nous n'utilisons pas dans les compagnies d'assurance, mais on connaît bien le débat et l'utilisation qui est en effet en Chine et à Hong Kong. Mais ça illustre bien le fait que ce sujet est un sujet qui est plein de dilemmes et de paradoxes à résoudre. Je vais prendre un autre exemple. Vous avez cité la reconnaissance faciale, celui de l'intelligence artificielle. Les meilleurs en termes d'intelligence artificielle sont les Chinois et les Américains. Pourquoi ? Parce que leur réglementation sur la propriété des données personnelles est très laxiste, et donc l'industrie, les entreprises peuvent travailler sur ces données, et pour tester des algorithmes, pour être bon en intelligence artificielle, il faut beaucoup de données. Donc ils ont beaucoup de données, et donc ils sont très bons en termes d'intelligence artificielle. Nous, Européens, on veut protéger la propriété personnelle des données parce qu'on veut protéger les libertés de nos citoyens. Et donc, on n'a pas ou on a beaucoup moins de compétences en termes d'intelligence artificielle. Et donc, on voit bien le dilemme sur ce genre de sujet. On voit bien le dilemme entre la souveraineté et les libertés. Je ferai noter que, par ailleurs, les citoyens européens n'ont aucun problème pour donner leurs données personnelles à Facebook ou à Google, etc. Donc, là encore, il y a des dilemmes partout. Donc, est-ce que c'est possible de tout encadrer? Non. C'est pour ça que je disais qu'il fallait réglementation, législation, l'éthique. Mais au-delà de ça, le sujet sur lequel je voudrais insister, c'est que ces décisions sont complexes. Parce qu'il n'y a pas de bonne solution qui nous permet, comme je prenais l'exemple sur l'intelligence artificielle, d'avoir le meilleur dans tous les domaines. Catherine Bréchignac, peut-être sur cette notion d'encadrement. Oui, je voudrais rebondir sur ce que vous venez de dire. Est-ce qu'on est encore en capacité d'imaginer ? Alors, avant de parler d'imaginaire, je voudrais rebondir sur ce que vous venez de dire. D'abord, premièrement, il y a plusieurs technologies. Là, on parle tous, parce que le débat est parti sur le numérique, parce que c'est notre dernier jouet. Donc, effectivement, tout le monde s'intéresse au numérique. Mais tout d'abord, il faudrait repenser technologie et se dire quand est-ce qu'une technologie peut-elle avancer ? C'est-à-dire comment elle se développe ? Et elle ne se développe que si la société l'accepte. Donc, pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, à vos jeunes là, et moi je suis pas du même avis, c'est-à-dire que ça m'est complètement égal de ce que les gens sachent où je suis, mon téléphone, le numéro est toujours ouvert, peu importe. Mais il y a des gens qui ont envie d'utiliser ça pour se donner un spectacle. Si vous ne voulez pas vous donner un spectacle, vous ne vous mettez pas sur Facebook. Enfin, voilà. Mais vous pouvez toujours utiliser les technologies. Donc, en fait, je crois que si aujourd'hui on a un tel engouement sur ces technologies numériques, c'est parce que la société l'accepte.
Donc si elle l'accepte, et vous avez raison, quand vous dites la société américaine, elle l'accepte plus que la société européenne, bien qu'on ait, on essaye, tout le monde essaye de nous pirater nos données sur la santé, parce qu'évidemment c'est intéressant, vu qu'on les a, elles sont anonymes, mais elles existent quand même. Et c'est pour ça que les hôpitaux se font pirater en permanence, et pas par les Français, par les autres. Évidemment, quand vous avez une société qui accepte de donner les données numériques, elle va progresser. Elle va progresser. Alors donnez-nous peut-être des exemples de progression, ce n'est pas évident. Elle va progresser par le fait que justement, vous allez pouvoir de plus en plus manipuler une très grande masse de données. Vous avez des masses de données aujourd'hui rien à côté des 10 puissance 26 du grain de matière. Ça, c'est vrai qu'on pourrait encore en mettre beaucoup plus, mais c'est pas ça. Le problème, c'est qu'effectivement, vous allez pouvoir... On commence à avoir des algorithmes et des algorithmes de plus en plus compliqués pour gérer une grande masse de données. Et on est maintenant dans un système au niveau de l'informatique et de l'algorithmique de l'informatique qui est très intéressante parce que autrefois, ça veut dire il y a 30 ans, on avait l'algorithme, on pouvait suivre ligne par ligne. Aujourd'hui, c'est impossible. Vous prenez des morceaux de programme, d'autres morceaux de programme, vous agencez ces morceaux de programme, et s'il y a une erreur dans un programme, cette erreur, elle restera et elle sera compensée par autre chose. Et au fond, c'est un peu... dans le domaine de l'évolution de ce système informatique et de ces grandes masses de données, c'est un peu l'évolution qu'on a tous, qui est l'évolution normale, qui est une évolution vers la complexité, c'est-à-dire du terme que les choses se mettent ensemble, de complexité, ça vient de complexus, qui veut dire tisser ensemble. Et donc, c'est dans ce domaine-là qu'on va avancer et qu'on avance de plus en plus vers la complexité. Donc, de toute façon, maintenant, plus on aura de données, plus on va se complexifier, plus on va se complexifier, plus on va avancer. Oui, ça pose des questions éthiques tout de même. Ah ben certes, ça pose des questions éthiques, ça c'est évident. Je ne veux pas dire que ça ne pose pas de questions éthiques. On est des êtres humains, donc voilà. Mais justement, je pense qu'il faut plus réfléchir à la partie éthique que sur la partie qui, de toute façon, avancera. Alors, je vous posais la question de l'imaginaire. Est-on, pour répondre à ce que disait Pierre-Antoine Chardel, pour rester libre, encore faut-il être en capacité d'imaginer, de préserver son sanctuaire qu'est l'imagination. Est-ce qu'on peut y arriver dans les années qui viennent? Ah oui, de toute façon, l'imaginaire, enfin moi je suis très confiante sur l'imaginaire. L'homme, ça ne va pas être le même espace imaginaire, mais il va toujours se déplacer dans son imaginaire, heureusement. Parce que sinon, sauf si évidemment on fait ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on met tout son cerveau dans une machine. Là, on n'aura plus d'imaginaire. Mais si on garde une partie de nos données personnelles en nous-mêmes, alors on progressera toujours dans l'imaginaire. Pierre-Antoine Chardel, peut-être sur cette question de l'imaginaire, en sachant qu'avant c'est technologie et liberté, ça veut peut-être aussi dire des robots, des machines qui de plus en plus prennent notre cerveau et donc préemptent notre imaginaire, non? Oui, mais bien sûr, mais on aura des robots, mais on discutera avec le robot. Bon, c'est pas gênant. Vous allez au Japon, vous avez des robots humanoïdes depuis déjà longtemps. Pierre-Antoine Chardel. Alors, on peut discuter avec des robots tant qu'on n'attend pas des êtres humains la même immédiateté, la même instantanéité. En fait, c'est ça un risque qu'on voit se profiler. C'est pas tant la puissance des robots, on sait à quel point ça peut nous être utile, mais un des risques qui est d'ailleurs pointé par un philosophe de la technique, Jean-Michel Besnier, des professeurs à la Sorbonne, qui pointaient le risque de voir nos rapports humains se machiniser, la machinisation, c'est-à-dire on est plus impatient quand on s'adresse à quelqu'un, on voudrait avoir une réponse immédiate. Et le fait d'interagir aussi avec des machines, ça peut produire aussi beaucoup de non-sens, donc il faut être attentif à ces effets. Je ne pense pas que l'imagination soit en déclin, je citais... le rôle des artistes numériques qui sont souvent très, très au fait de la technique. Je pense à des gens comme Samuel Bianchini, Claire B, c'est son nom d'artiste, qui fait des choses magnifiques à partir de flux de données, d'expériences immersives. Donc c'est très sophistiqué, c'est ça qui nous permet aussi d'aborder les technologies de façon moins instrumentale et de façon plus critique, plus détournée, plus créative.
Donc ça, je pense que c'est important pour le, je dirais, la bonne santé de la société démocratique d'être, de se tenir au courant de ce qui se produit en termes de détournement technologique, mais au sens positif du terme, au sens poétique du terme. Voilà, je m'arrête là. Mais pour revenir à ce que vous venez de dire, là, il faudrait repenser à ce que disait Jacques Ellul hein, à propos de l'homme technologique, ou je ne sais plus exactement le titre de son livre. Le système technique. Oui, enfin. Et donc, il exprime extrêmement bien le fait que, d'abord, tout d'abord, quand un enfant naît, il n'est pas fini. Il n'est pas fini. Il faut après du temps pour qu'il apprenne à lire, à écrire, à parler. Enfin, bref, il n'est pas fini. Et si on lui met un environnement humain lorsqu'il est petit ou un environnement technologique, on ne sait pas très bien, pour l'instant, on joue à l'apprenti sorcier. On ne sait pas très bien ce que ça va donner quand on mettra un enfant uniquement dans un environnement technologique. Qu'est-ce qu'il va développer dans son cerveau ? Qu'est-ce qu'ensuite ça va donner ? Etc. Comment va-t-il réagir justement avec les robots ? Et ça, c'est des questions auxquelles il faudrait s'attacher en faisant attention à garder toujours un environnement humain chez les enfants. Charlène Biondi, vous vouliez réagir sur cette question ? Oui, je réagis sur plein de choses. Effectivement, il y a des études qui ont été menées sur les enfants et les personnes âgées qui développent de vrais sentiments pour leurs robots de compagnie. Donc ça, on le sait maintenant. Donc c'est la preuve que l'humain est éminemment malléable et poreux quant à l'influence de la technique sur sa propre subjectivité. Quant à l'imaginaire, je pense que pour comprendre les effets du numérique sur la société et sur l'imaginaire, moi j'aime bien comparer le numérique à une révolution scientifique plutôt qu'à une révolution industrielle, qui est un discours qu'on entend beaucoup. Et je rebondis sur ce que vous avez dit, madame, tout à l'heure, comment une technologie est acceptée. En fait, les révolutions scientifiques, quand Galilée et Copernic découvrent ou manifestent la révolution copernicienne au départ, elle n'est pas acceptée. Même les contemporains de Galilée refusent absolument ces découvertes, pourtant c'est factuel. Et finalement, c'est bien plus tard, c'est avec la physique newtonienne qu'on commence à accepter Copernic. Et finalement, c'est cette découverte scientifique, c'est cette énorme révolution dans l'histoire de la physique avec Newton qui donne lieu à la révolution industrielle plus tard, parce que les lois de Newton permettent de développer les outils technologiques de l'époque, techniques de l'époque, l'horloge, le cadran, la navigation, et finalement, Watt développe sa machine à vapeur grâce aux lois de Newton qui avait donné l'horloge. Et Watt et la révolution industrielle, qu'est-ce que ça donne ? Ça donne la révolution politique, la révolution française. Donc c'est l'idée, dans l'histoire des idées, mêlée à l'histoire des sciences, que les grandes découvertes scientifiques ont un bouleversement très très long et très très lent, qui en général se fait en deux temps. La science se manifeste dans l'outil technique, aujourd'hui technologique, qui transforme toutes les pratiques humaines et sociales, qui déboule sur une révolution politique. Et politique, on peut dire, du coup, de l'imaginaire, parce que on vit dans le monde social, l'ordre sociopolitique, dépend de ce qu'on est capable d'imaginer, de concevoir, de désirer. Et donc je pense, moi j'aime bien assimiler la révolution numérique, même si c'est pas une science en soi, je pense que dans ses effets, c'est à ça qu'il faut la comparer, parce que c'est comme ça qu'on comprend mieux que le numérique en tant que découverte, entre guillemets, donne lieu à une révolution industrielle qu'on voit tous aujourd'hui. Et la grande question qui se pose et dont on débat maintenant, c'est comment ça va se manifester dans l'ordre politique ? Qu'est-ce qui arrive ? Et ça, c'est là que la question de la liberté, qui est fondamentale depuis au moins les Lumières en Europe, est suspendue, parce qu'on ne sait pas comment elle va être. Bon, si vous le permettez, je voudrais quand même faire un commentaire sur la science. Puis après, je me tairai. Alors, qu'est-ce que la science ? La science, tout d'abord, c'est un outil pour comprendre. Et comment construit-on cet outil ? On construit cet outil d'abord par la découverte, donc on fait interagir nos sens parce qu'on les voit. Ensuite, on veut se soustraire de nos sens, parce que si on lit Kant, on se rend compte que chacun a une interprétation différente de ce qu'il a vu, et même avant. Donc on veut se soustraire de nos sens, donc on me fait des mesures. On fait des mesures. Et on mesure, et là, on a un outil qui devient de plus en plus performant pour avoir des mesures de plus en plus précises. À côté de ça, on fait une théorie
pour voir si cette théorie est valable et on la compare à l'expérience. Donc la science, c'est vraiment un outil qui est basé sur une comparaison permanente entre la mesure et la théorie. Alors qu'en est-il quand on est arrivé au numérique, ce que vous appelez le numérique ? La révolution, ce n'est pas la révolution numérique, ça c'est technologique, ce n'est pas la même chose. La révolution, c'est vraiment quand on a commencé à faire de l'informatique. Et l'informatique, il faut l'apprendre à l'école comme on apprend les mathématiques. Parce que l'informatique, c'est une science. Je m'arrête. Frédéric de... Merci Catherine. Frédéric de Courtois, justement sur ce débat révolution numérique ou non, et comment comprendre le monde qui vient avec finalement la notion de conscience qu'on n'a pas encore évoquée, puisqu'il y a évidemment liberté individuelle, liberté d'un état de droit, souveraineté comme vous l'avez évoqué, mais qu'en est-il de la question de, la, de cette notion même de révolution ? Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'a dit Catherine Bréchignac ? Et quid de la conscience dans ce débat, comment concilier avancées technologiques et liberté ? Alors moi, ma préoccupation principale en tant que citoyen et chef d'entreprise, c'est qu'on trouve, comme j'ai dit, il y a beaucoup de dilemmes, on trouve le bon équilibre entre liberté, souveraineté, puissance. Et pour rejoindre ce qui a été dit avant, donc je pense qu'on peut le trouver qu'au travers d'un large processus démocratique associant tous les acteurs, et ça doit s'appuyer sur l'éducation. Je pense qu'aujourd'hui, et je reviendrai ensuite sur avec quelques chiffres sur le sujet, je pense qu'aujourd'hui, pour que nos citoyens participent activement au débat, on a un vrai sujet d'éducation sur ce sujet des technologies et de l'informatique. Et c'est ça ma préoccupation principale, c'est-à-dire qu'on fasse des choix éclairés, conforme avec notre culture et ce que veut la société. Alors mon ami Gianmarco dit qu'il ne faut pas regarder, il faut pas trop regarder les sondages, et il a raison, mais je vais néanmoins en citer un, qui est AXA fait chaque année un rapport qu'on appelle le Future Risk Report, donc c'est sur les risques auxquels on est confronté, et le prochain sort dans quelques semaines, et il y a un certain nombre de questions justement sur notre... ce que pensent les citoyens de la technologie. Si on regarde ce que pensent les Français, donc 47% des Français pensent que la technologie crée plus de problèmes qu'elle n'en résout. C'est très supérieur à ce que pensent les Allemands, par exemple. Ça veut dire, pardonnez-moi, qu'il y a une régression. Après, je crois que Catherine Bréchignac va vouloir réagir, mais ça veut dire qu'on est entré presque dans une phase de régression aussi par rapport à l'appréhension de la technologie. Alors, régression, c'est peut-être excessif, mais de doute en tout cas. Il est intéressant de voir que, alors à Hong Kong, ils ont encore plus d'appréhension. C'est peut-être parce qu'ils savent ce que la technologie peut faire comment elle peut impacter leur liberté. Alors, ensuite, ce qui est intéressant, c'est de voir que les jeunes, on ne s'y attend pas, ont plus d'appréhension que les vieux. Peut-être parce qu'au fond, ils ont l'intuition que des risques liés à la technologie. Les femmes ont plus d'appréhension que les hommes. Donc pour moi, le sujet, c'est que nos sociétés trouvent le bon équilibre. Il ne sera pas forcément le même dans tous les pays, mais ce sera le nôtre. Il ne peut être européen, et pour ça il faut un bon processus démocratique et une éducation dès les plus jeunes classes pour être sûr qu'on apprend bien ce sujet. Catherine Bréchignac. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous venez de dire, et en fait quand on regarde, je reprends ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'une technologie ne peut se développer que si la société l'accepte. On voit très bien que la société, elle peut changer d'avis au bout d'un certain moment. Et c'est ce qui s'est passé chez nous avec le nucléaire. Au départ, tout le monde était d'accord avec le nucléaire, on trouvait ça extraordinaire, même c'était merveilleux. Et puis, au bout d'un moment, les gens se sont posé des questions. Alors, évidemment, il y a eu des erreurs qui ont été faites dans tous les côtés, en particulier avec le nuage de Tchernobyl, mais où on a raconté des imbécilités. Donc, en fait, c'est vrai qu'ensuite, la société s'est mise à ne plus accepter cette technologie. Et du coup, il y a eu un frein politique
parce que les politiques ne comprennent strictement rien à la science. Alors là, vous pouvez me faire confiance là-dessus. Et donc, il y a eu un frein qui s'est mis et on a perdu 20 ans, alors que maintenant, on a envie de repartir sur une technologie, bien sûr, en faisant très attention à la sécurité. Donc, ce que vous dites est parfaitement juste, c'est-à-dire qu'en fait, ça va dépendre de l'instant auquel vous vous trouvez et de l'avancée de la technologie par rapport à vis-à-vis de la société. Tout cela, cela dit, de toute façon, nécessite une conscience éclairée. Pierre-Antoine Chardel, vous vouliez mettre un coup de projecteur sur le fait que concilier avancée technologique et liberté, oui, c'est bien gentil, mais quid de la tyrannie de l'instantanéité qui est liée justement à ces avancées technologiques qui sont envahissantes dans notre quotidien, notamment dans la sphère de l'entreprise. Alors, en effet, c'est un grand paradoxe des technologies numériques, c'est que pendant très longtemps, on a considéré que les technologies nous faisaient gagner du temps, et de fait, avec une utilisation très convulsive parfois des technologies numériques, on en perd beaucoup et on se laisse assujettir à ce qu'on peut appeler en effet une tyrannie de l'instantanéité. Néanmoins, je tenais à mentionner le fait qu'on a encore notre mot à dire par rapport à tout ça. C'est-à-dire que, je l'observe très bien en entreprise, on voit un effet de saturation cognitive, informationnelle, de grande fatigue, d'épuisement, et on sent qu'il y a une limite un petit peu qui a été franchie, et que nous avons encore notre mot à dire en termes de libre-arbitre, et qu'on utilise encore les technologies numériques de façon très consumériste, sans utiliser suffisamment notre jugement critique et un petit peu comme si on n'avait pas été éduqué. Et donc je crois beaucoup à l'éducation, au fait qu'on a des machines qui nous dépassent. Eh bien, il est temps d'apprendre à les interpréter, à les appréhender, ce qui implique de revoir totalement nos modes d'éducation, travailler de manière beaucoup plus transversale, de façon transdisciplinaire, pour faire face à la complexité précisément. Quand Edgar Morin parle de la complexité, c'est aussi pour nous inviter à travailler de façon transversale, transdisciplinaire, alors qu'on est encore dans des modes d'éducation qui sont très en silo. Et ce qui fait beaucoup de mal à une appréhension raisonnée, intelligente de nos environnements. Mais comme l'a rappelé Charlène, je pense que c'est extrêmement important de situer les technologies numériques, si on parle de celles-ci, dans le temps long, en considérant qu'elles ont une longue histoire et qu'on doit pouvoir les appréhender comme des objets de culture et développer ce qu'on appelle une technocritique, comme on parle d'une critique littéraire ou d'une critique cinématographique, non pas pour se détourner de ces œuvres que sont les technologies, mais pour apprendre à mieux les appréhender, mieux les voir, mieux les percevoir. Il faudrait presque finalement une éducation à la liberté, hein, dorénavant. Mais là encore, ça passe peut-être par la notion de conscience, non, Charlène Biondi ? Vous qui nous avez tout à l'heure parlé de votre expérience de professeur à la Sorbonne, avec ce que ça générait de consentement finalement au fait de ne plus être libre chez les jeunes. Oui, et je voulais ajouter aussi par rapport à ce que venait de dire Pierre-Antoine Chardel, que d'une certaine manière, peut-être encore à la marge, mais l'industrie numérique est déjà en train d'intégrer la critique, la technocritique. C'est-à-dire qu'on voit aujourd'hui, par exemple, que Apple est leader sur la défense des données personnelles. La dernière mise à jour de l'iOS 14, d'ailleurs, a posé énormément de problèmes à certaines start-up et entreprises partout dans le monde qui ne peuvent plus utiliser, collecter, analyser les données de leurs utilisateurs aussi facilement qu'avant. Et il y a aussi, d'ailleurs, on voit bien tous les nouveaux outils sur nos téléphones iPhone qui nous permettent de mesurer, de limiter notre temps d'écran. Et d'ailleurs, il y a même d'autres entreprises, dont une start-up française qui fait des choses très belles, qui s'appelle Opal, qui pour apprendre à l'utilisateur à surveiller sa consommation de la technologie, et garder cette sorte de distance critique vis-à-vis de soi-même, c'est-à-dire surveiller son addiction à l'écran notamment. Donc, et ça c'est des innovations qui viennent de la sphère technologique elle-même. Donc on est déjà dans l'étape d'après où l'industrie est en train de faire sienne sa propre critique. Frédéric de Courtois, la tyrannie de l'instantanéité, finalement, avec les nouvelles technologies dans le champ de l'entreprise, comment,
comment vous imaginez que l'on puisse un petit peu s'en préserver, parce que c'est un état de fait tout de même, hein. Bon, d'abord, c'est une bonne question. Sur tous ces sujets, et pour revenir à la question initiale, il faut bien avoir en tête que arrêter l'évolution, les avancées technologiques, c'est ni possible ni souhaitable. Donc on est là dans le comment, c'est-à-dire comment est-ce qu'on le gère au mieux. Voilà. Je pense que ça sera intéressant, je serais intéressé d'avoir l'avis de mes collègues. Je pense qu'on est tous d'accord avec ce point de départ. Alors ensuite, sur l'instantanéité, aujourd'hui, la technologie et la puissance de calcul nous donnent la capacité à analyser plus de données, et donc des données en temps réel. Et même nous, compagnie d'assurance, maintenant, on analyse des données en temps réel. On analyse des données en temps réel, par exemple, sur le comportement des conducteurs. Donc, là aussi, ça a des effets positifs et vertueux, puisqu'il y a un aspect de... Si je prends l'exemple de... Et ça va être le cas dans toutes les autres, dans toutes les voitures. Hein, dans toutes les voitures, vous analysez les données en temps réel. Il y a des aspects positifs en termes d'éducation, de prévention, etc. Et puis, il y a des aspects qu'il faut gérer en termes de confidentialité des données, etc., etc. Donc, encore une fois, l'instantanéité, pour moi, c'est un des aspects du sujet. C'est pas bien ou mal, c'est une avancée technologique qu'il faut gérer au mieux. Catherine Bréchignac, peut-être sur cet aspect très concret de comment préserver au mieux sa liberté ou la laisser se déployer avec cette tyrannie de l'instantanéité qui est quand même liée aux avancées technologiques, en bien ou en mal, hein, c'est toujours pareil, je ne dis pas qu'il n'y a que du mal, bien entendu. Hein. Oui, alors, bon, effectivement, il y a une espèce de tyrannie, mais... Toujours pareil, on peut se soustraire à la tyrannie si on a envie d'essayer de s'en soustraire. Pas complètement, mais en partie, hein, oui. Et ce qui est le plus difficile, c'est l'accélération permanente de cette progression vers la complexité. C'est-à-dire qu'en fait, avec les outils numériques, on est arrivé à aller extraordinairement vite et on va de plus en plus vite. Où est-ce qu'on va s'arrêter ? Parce qu'on peut pas aller... pas dépasser la vitesse de la lumière de toute façon. Donc on va quand même dans une vitesse qui est extrêmement perturbante pour l'individu. Et ce que je trouve de très intéressant, si je reprends la vision de la recherche en intelligence artificielle par rapport à l'intelligence humaine, c'est qu'on se rend compte que qu'est-ce qui est dans notre cerveau de la connectique, si je puis employer ce mot, et qu'est-ce qui est justement de la partie imaginaire dont vous parliez tout à l'heure? Et comment et à quelle vitesse peut-on aller? Évidemment, la machine ira plus vite que nous sur la connectique, sans aucun doute. Et d'ailleurs, ça se voit, les joueurs d'échecs, le de Go, etc., la machine nous bat tout le temps. Donc ça, cette intelligence-là, avant, on trouvait que le joueur d'échecs était quelqu'un d'extrêmement intelligent quand il gagnait toutes les parties. Maintenant, c'est plus très intéressant puisqu'il se bat contre une machine et que la machine va toujours gagner. Mais ce qui est quand même intéressant, c'est de savoir à quelle vitesse il va pouvoir perdre, si je puis dire, par rapport à la machine. Donc, on a un objet d'étude scientifique extrêmement intéressant pour comparer ce qu'on appelle l'intelligence artificielle avec une certaine rapidité et ce qu'on peut appeler de créativité de l'esprit humain. Et c'est ça qui est intéressant, et c'est là où l'enjeu de la rapidité est quelque chose qu'on n'a encore pas du tout maîtrisé. Oui. Quelle place cependant pour l'intime, pour l'affectivité, puisqu'on parle d'intelligence, mais enfin, les avancées technologiques et la notion de liberté se fracassent aussi sur le champ de l'intime. Vous avez parlé de sanctuaire, Charlène Biondi. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous développer cette partie-là? Puis nous allons devoir vous laisser partir. Vous allez devoir quitter ce moment de partage un petit peu plus tôt. Donc je vous laisse vous exprimer sur cette question. Justement, sur la question de l'intime qui est absolument liée à la question de la créativité, puisque ce qu'on comprend en général de la créativité, c'est justement ce qui vient du plus intime de l'être, tellement intime qu'on n'en a pas conscience. La sublimation, c'est ce qui sort de cette petite boîte noire intérieure et que
on prend conscience à la fois de qui on est en tant que créateur et de ce qu'on est en tant que culture à travers les œuvres d'art. Aujourd'hui, ça aussi, c'est en train d'être non pas remis en question, parce que je ne crois pas que ce soit un spectre d'analyse intelligent de dire que la technologie remet en cause le libre arbitre. Je pense que c'est radicalement faux. Et d'ailleurs, personne ne se sent vraiment menacé dans son libre arbitre en utilisant une intelligence artificielle. En revanche, il y a des choses qui se passent néanmoins. Et là, alors maintenant, maintenant que je vous en parle, j'ai un trou de mémoire, je ne me souviens plus du nom, mais il y a une intelligence artificielle en open source qui vient d'être mise en ligne récemment, qui est absolument extraordinaire et qui permet de créer des images à partir du texte. Je vois quelqu'un qui bouge la tête, vous vous souvenez du nom? Voilà. Et Facebook, d'ailleurs, Facebook/Meta vient de sortir un algorithme un peu similaire, mais qui du coup n'est pas open source, et qui permet d'à partir de texte de créer de l'image. Et c'est grâce au big data, justement, dont tout le monde parle ici, on arrive à faire émerger des choses. Enfin, c'est la créativité pure, en fait, c'est la chose qui n'existe pas. Simplement par la machine. Alors évidemment, c'est basé sur du concret créé par l'homme et par l'humain, et le texte aussi, on peut dire que le langage est humain, mais il y a vraiment cette question qui en fait est posée depuis très longtemps, puisque Jacques Lacan, le psychanalyste, l'a formulé déjà en ces termes dans les années 60 dans une de ses conférences, parlant des tout débuts de la science informatique et de ce qu'on appelait à l'époque la cybernétique. Il disait: la question de savoir si la machine est humaine est clairement tranchée, et la machine n'est pas humaine, bien qu'à l'époque certains se posaient la question. En revanche, conclusion de Lacan, la question se pose de savoir dans quelle mesure l'homme est un peu aussi une machine. Donc cette espèce de dualité, elle est permanente et elle est irréductible à notre rapport à la technique, je pense. Et une dernière chose, puisqu'on parlait de voiture et d'assurance, alors ça peut paraître parfois tiré par les cheveux quand on dit que la notion de liberté est redéfinie par le numérique, mais alors prenons un exemple plus concret, l'idée de voiture. Il y a encore 40 ans, une voiture c'était Ford T, ou alors même pas Ford T, mais sans parler de la Ford T, quand on pense à la voiture, on pense à l'usine, on pense au travail à la chaîne, on pense aux petits trucs qu'on prend et avec un moteur, etc. Aujourd'hui, avec Tesla, les nouvelles voitures connectées, c'est plus du tout ça l'imaginaire qu'il y a derrière. Tesla, c'est pas un constructeur automobile, c'est une entreprise d'intelligence artificielle. C'est une entreprise, les voitures Tesla, si elles ont de la valeur, si elles existent en tant que voitures sur le marché, c'est parce que Tesla est capable d'analyser une quantité énorme de données de ses voitures et de ses conducteurs qui sont connectés en permanence, de les mettre à jour en temps réel. Et donc là, on voit bien que, alors tout le monde n'a pas encore une Tesla, quoique en Norvège, je crois que c'est la voiture la plus vendue, mais on voit bien que très bientôt, peut-être que nos enfants, enfin mes enfants, quand ils auront 8-9 ans, quand je leur dirai voiture, l'imaginaire qu'il y aura derrière, ce sera pas la Ford T et l'usine de la chaîne, mais ce sera une entreprise d'intelligence artificielle qui est capable de connecter ses véhicules et voire de les faire rouler de manière autonome. Donc voilà, c'était juste un autre exemple pour montrer qu'on est en train de comprendre les choses et de mettre des images derrière qui sont radicalement différentes. Merci beaucoup, Charlène Biondi. Je rappelle que vous êtes docteur en sciences politiques. Merci d'être venu ainsi nous éclairer à la Cité des débats à Saint-Raphaël. Merci infiniment. Nous allons écouter un étudiant de l'École des hautes études internationales et politiques qui a des questions à vous poser. Oui, vous pouvez vous lever peut-être, prendre le micro. C'est la question de Julie, c'est ça? Oui. Déjà, bonjour mesdames et messieurs. Je tiens déjà, pour commencer, à vous remercier pour cet échange qui fut très intéressant, surtout sur le domaine de la technologie, qui est quand même un domaine qui est assez complexe, voire même très compliqué. Et donc là, je vais plus m'intéresser à la technologie numérique, puisqu'à l'heure où nous sommes toujours connectés, pensez-vous qu'il est toujours possible de se faire un propre jugement et donc de garder sa liberté individuelle de penser sans être toujours influencé par les technologies numériques ? Et d'ailleurs, si on veut aller un peu plus loin, et peut-être avec une vision un petit peu plus pessimiste, ne serions-nous pas en train de subir les débuts d'une certaine dictature numérique où la diversité de l'opinion se réduit considérablement sans vraiment s'en rendre compte ? Qui veut répondre, Frédéric de Courtois ? Je peux commencer. Je pense que votre question est très, très judicieuse. Il est clair que
il y a dans certains cas une certaine dictature du numérique qui réduit notre capacité de jugement, puisqu'on sait bien qu'on est orienté par les algorithmes vers des opinions qui sont les mêmes que les nôtres, etc. etc. Donc il n'y a aucun doute là-dessus. La question, c'est comment on peut lutter contre ça. Alors j'ai beaucoup parlé de réglementation, de loi, etc. Il n'y a pas que ça. J'ai beaucoup parlé d'éducation. Mais je pense qu'il faut qu'on arrive à former des jeunes, des étudiants qui ont une appréhension de ces sujets et une intelligence qui soit certes une intelligence technologique, mais aussi également une intelligence émotionnelle, politique, culturelle, peut-être spirituelle, et qui arrive à prendre du recul et arrive à prendre des décisions, même si ces algorithmes, etc., etc., les emmènent vers certains choix. Donc pour moi, c'est ce que vous citez, un des risques pour nos démocraties, et on a les moyens de lutter contre ces risques, mais c'est pas si évident que ça. Je voyais que vous voulez réagir. Oui, je veux réagir parce qu'on a toujours été influencé, même avant le numérique, on est toujours influencé par son environnement. Alors maintenant, le numérique est un nouvel environnement, mais on a toujours été influencé. Religieusement, par exemple, est-ce que vous voyez un musulman d'une famille musulmane dire à ses parents un beau matin, tiens, j'ai envie d'être juif? Ça me paraît étonnant. Et c'est parce qu'en fait, les gens sont influencés par leur environnement. Ils font partie d'un groupe, ils font partie d'une tendance, ils font partie d'une réflexion collective. Donc en fait, on a toujours été influencés par son environnement. On croyait qu'on ne l'était pas, mais on l'a toujours été. On est toujours. Alors maintenant, avec le numérique, c'est un peu différent parce que on trouve sur Internet absolument tout et son contraire. Et qu'est-ce qu'on fait? La première des choses, c'est qu'on essaye de se raccrocher à ce qu'on a envie de savoir, d'être, ou de comprendre, ou de savoir, ou de dire. Donc on va chercher quand vous allez sur Internet, vous allez chercher ce qui vous correspond à vous. Et là, vous allez l'amplifier, et vous allez vous conforter et vous mettre dans le groupe qui pense comme vous. Donc oui, le numérique nous perturbe, mais il nous perturbe plus par la vitesse que par le mécanisme profond de l'influence. Le numérique, finalement. Oui, pardon. Non, je pense que vous avez tout à fait raison. Je pense que ça a toujours existé. Le numérique l'amplifie. Voilà, on est seul face à la machine, seul face à l'algorithme. Et donc, ça le rend encore plus difficile à gérer, si je puis dire. Y a-t-il des questions dans la salle? Oui. Bonjour, tout d'abord merci pour cette conférence qui fut très intéressante et très enrichissante. En tant que jeunes, nous sommes au quotidien confrontés aux objets technologiques et nous nous rendons compte aujourd'hui qu'il est presque impossible pour nous de nous en passer. Nous sommes de nombreux jeunes à développer des addictions finalement au téléphone ou aux outils technologiques. Pourtant, ces outils nous permettent de nous déplacer, donc, par exemple les trottinettes électriques, nous permettent de discuter avec des gens dans le monde entier ou encore d'acquérir des connaissances sur des sujets qu'on ne connaît pas. Donc on a finalement la sensation d'avoir une certaine liberté, mais cette liberté apparaît plutôt comme éphémère, finalement. Et je me demande si, du coup, l'humain doit s'affranchir dans une quête de liberté des avancées technologiques ou doit composer avec, et par quel biais peut-il composer avec les nouvelles technologies pour devenir plus libre? Non, il doit absolument composer avec, parce que à partir du moment où quelque chose est créé, il existe. Donc, vous ne pouvez pas vous mettre la tête dans le sable en disant « ça n'existe plus ». Donc vous êtes obligé d'être avec. Mais là, à vous d'avoir un libre arbitre pour savoir comment vous allez utiliser ces outils. Moi, je trouve que c'est un monde extraordinaire que vous vivez là, vous, maintenant, à commencer tout de suite avec des outils comme cela. C'est des outils magnifiques. Donc, ce qu'il faut voir, c'est le bon côté et faire très attention à ne pas se laisser piéger par l'outil. Mais c'est un monde, c'est une évolution extraordinaire. Pierre-Antoine Chardel, oui. Je serais tout à fait d'accord avec cette idée de composition, apprendre à composer. Gilbert Simondon, un philosophe de la technique, qui écrivait que l'homme face aux techniques doit se comporter comme un chef d'orchestre. Ça veut dire que c'est aussi à lui d'imposer son rythme. Et donc pour ne pas nous laisser prendre dans les mailles les filets que nous tendent les réseaux, parce que c'est nous qui nous laissons prendre dans ces mailles, donc c'est à nous aussi
d'affirmer un jugement critique et de pouvoir développer avec les technologies des relations plus contributives et moins consuméristes. Un bel exemple de la contribution, c'est Wikipédia, par exemple. Ce n'est pas tout à fait la même chose que ce qui peut se produire de façon plus préjudiciable pour le lien social. Ce n'est pas tout à fait la même chose que certains réseaux sociaux. Enfin, donc c'est important aussi d'opérer, c'est ce que je disais tout à l'heure, des distinctions. Et c'est ça la critique, hein, ce n'est pas être contre. C'est au contraire mieux voir, ça renvoie au terme grec krinine, c'est discerner, c'est passer au crible. Et à mon avis, on ne passe pas suffisamment au crible aussi les mots qui définissent la technique. On parle d'intelligence artificielle, peut-être qu'il faudrait mieux parler de machine learning, de machine calculante. Il y a des chercheurs en IA qui se tiennent beaucoup à ce choix de mots qui ont un impact beaucoup sur l'influence qu'ils ont sur l'imaginaire collectif. D'autres questions ? Ah pardon, je voulais ajouter un point sur ce sujet. Il faut évidemment composer avec, d'abord parce qu'on ne peut pas faire autrement, et ensuite parce que, comme vous l'avez dit, ça offre d'immenses opportunités. Et pour moi, le sujet, c'est pas la relation avec l'outil technologique, c'est la relation exclusive, addictive avec l'outil technologique. Et là, je suis un fervent partisan de l'équilibre, c'est-à-dire que c'est l'outil technologique qu'il faut aussi lire, faire du sport, avoir des relations sociales, etc. Et c'est ça le risque de l'outil technologique, c'est l'addiction, comme vous l'avez dit, et le fait qu'on ne fasse que ça. Tout à fait. Je voulais ajouter quelque chose. Est-ce que vous vous êtes posé la question pourquoi un traducteur artificiel, enfin une machine, va traduire extrêmement vite et parfois beaucoup mieux que l'humain un texte alors qu'il ne comprend strictement rien? L'ordinateur ne comprend rien, rien au mot, rien, rien, rien. Pourquoi la traduction sera-t-elle meilleure que la traduction par un humain, par exemple? Alors, quand vous regardez au fond comment fonctionne la machine, vous voyez que la machine fonctionne à partir d'un corpus où vous avez les traductions de phrases par différents auteurs qui ont été faites. Alors, c'est pour ça que, par exemple, les traductions anglais-françaises sont évidemment extrêmement fournies. Et vous, donc, la machine va faire des comparaisons en permanence, à toute vitesse, bien plus rapidement que pourrait le faire un individu, et va utiliser des passages pour vous traduire correctement. C'est exactement, quand vous réfléchissez, c'est pour ça qu'on l'a appelé le deep learning, c'est exactement comme vous apprenez, vous, quand vous êtes petit, par exemple, des mots et des comptines. Vous apprenez des comptines, puis après, vous prenez le morceau de la comptine et vous le mettez dans votre vocabulaire et vous le mettez dans une phrase et vous avancez comme ça. Et c'est comme ça que, par ce mécanisme de comparaison en permanence et avec la rapidité qu'a une machine, elle va pouvoir vous traduire plus rapidement parce qu'évidemment, quand vous avez tout Victor Hugo qui est traduit en anglais, ça va beaucoup plus vite. D'autres questions ? Oui, bonjour, monsieur, dame. Donc, en réfléchissant à tout ce que vous avez dit et en examinant la société, je m'aperçois qu'il y a une grande dynamique qui est provoquée par les jeunes pour aller vers toutes ces technologies. Et nous-mêmes, on est entraînés dans tout ça et puis ça fait partie du monde, c'est comme ça. Mais la recherche de beaucoup de jeunes, j'ai 4 enfants, et la recherche de beaucoup de jeunes, c'est les ascenseurs émotionnels. Et ça monte, ça descend et c'est un grand dévoilement de leur intimité. Il y a une perte, il y a, entre guillemets, une sorte de viol de leur intimité où ils le dévoilent facilement. Et puis même nous, des fois, on est entraînés, enfin pas moi, mais d'autres personnes sont entraînées à dévoiler toute leur intimité. Est-ce que le travail ne serait pas essentiellement à faire sur la construction de l'identité qui va leur permettre de pouvoir protéger leur identité eux-mêmes, leur intimité? Et est-ce que ça ne se ferait pas, je vous ai entendu le dire, au niveau même de l'éducation nationale et de la prévention avec les parents, concrètement, voilà. Parce que si on n'affermit pas leur identité, c'est comme si on met un gros moteur dans une petite moto et on lui demande d'avancer à 200 à l'heure alors qu'il n'a pas les capacités et il va y avoir de gros problèmes. Alors il faut affermir le cadre, les roues et équiper la moto pour qu'elle puisse être aussi résistante pour rouler avec ce gros moteur. Et là, c'est un peu le problème qu'on rencontre dans notre société. Alors là, vous avez vraiment raison, parce que en fait, on a en nous-mêmes une partie de raison et puis une partie d'émotion. Il ne faut surtout pas négliger l'émotion. Et l'émotion,
pouvez bloquer votre raison et puis vous vous laissez aller sur l'émotion. Parce que, de toute façon, la raison est plus lente que l'émotion. Dans un individu, quand il vous arrive quelque chose, avant de raisonner, vous, d'abord, vous, c'est émotif. Heureusement, d'ailleurs, je dois dire. Parce que sinon, si on était uniquement sur la raison, on deviendrait des robots. Donc, je crois qu'il faut effectivement développer l'émotion. Et cette émotion, pas nécessairement, ce n'est pas l'école qui doit apprendre ça. L'école doit apprendre l'instruction, c'est l'instruction. Mais les familles doivent apprendre l'émotion. Et ça, c'est très important. Et il faut quand même, au bout du compte, rester humain. Pierre-Antoine Chardel. Je pense que par rapport à ces pratiques numériques sur les réseaux sociaux, il est extrêmement important de dissocier les technologies numériques de certains grands modèles économiques qui sont ceux des GAFAM et qui, pour si on pense à Facebook ou d'autres réseaux sociaux, attisent cette soif d'exposition. Ça ne veut pas dire que ça sera toujours comme ça et que on voit émerger des réseaux sociaux qui sont beaucoup plus basés sur l'échange de connaissances, sur la contribution. Donc ça, c'est des modèles marketing, en fait. Et évidemment, ils marchent très bien parce qu'ils stimulent une dimension pulsionnelle, une dimension très narcissique, aussi parce qu'on a besoin de s'exposer pour exister socialement. Et donc, il y a cette ambivalence-là qui est très, très bien, très, très bien cernée par certains grands acteurs du numérique. Mais ce sont certains modèles économiques qui sont peut-être un peu délétères aujourd'hui. Parce que ce n'est pas les technologies qui ont inventé ces penchants. Hein. Je pensais à Kant qui disait le bois dont l'homme est fait est un bois courbe. Donc ça veut dire que pour le redresser en quelque sorte, il faut un travail. Il faut un travail, il faut une discipline, il faut une volonté. Le travail de la volonté, le travail de la raison. Et je terminerai en disant que la technologie a besoin d'éthique. Parce que l'éthique, comme l'on sait, c'est Aristote qui nous l'apprenait, c'est la recherche de la juste mesure entre deux extrêmes. Donc on a besoin peut-être d'une techno-éthique, c'est-à-dire d'une technique qui soit associée à cette recherche de juste mesure pour éviter d'être pris dans ces excès qu'on connaît aujourd'hui. Le mot de la fin, Frédéric de Courtois. Le mot de la fin. Moi, je suis résolument optimiste sur tous ces sujets, mais il ne faut pas être naïf. Il ne faut pas être naïf parce que qui maîtrise les technologies a la capacité à prendre le pouvoir sur nos consciences, le pouvoir sur le pouvoir politique. Et donc, en tant que citoyen, je pense qu'il ne faut pas être naïf et il faut y être attentif, investir sur l'éducation et avoir un processus démocratique qui garantit que ces acteurs, je le mets entre guillemets, capitalistes, soient contrôlés. Catherine Bréchignac. Moi, je dirais qu'il faut prendre le temps de vivre. Voilà, c'est bien. C'est une très belle conclusion. Merci, merci à tous les trois d'être venus nous apporter votre liberté d'esprit pour penser à un aussi beau sujet que l'avancée de la technologie et la façon de la gérer au mieux dans notre quotidien, bien entendu, et dans le monde qui vient et dans notre société. Il y avait encore bien d'autres aspects à aborder, hein, mais il nous aurait fallu 2 ou 3 heures de plus. Alors, merci infiniment, Catherine Bréchignac. Merci, Frédéric de Courtois. Et merci à Pierre-Antoine Chardel. Merci bien entendu à la ville de Saint-Raphaël de permettre ces beaux débats, la cité des débats qui continue cet après-midi. Ne ratez pas, les États-Unis ont-ils le monopole de la production de la norme? Ça, c'est un beau sujet plus que jamais d'actualité à partir de 14h15 et jusqu'à 15h30 avec Pierre Musso, avec Nicole Baccaran, avec Philippe Bonne-Carrère et Didier Moss. Voilà, merci à tous. Mesdames, Messieurs, comme habituellement, vous allez pouvoir retrouver nos conférenciers qui sont auteurs au niveau de l'espace dédicace qui est situé à la gauche, à la sortie du Palais des Congrès.